Vrai changement. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, on y va. Toute Avec. façon, on devait pas commencer Si. Sur sur quoi? voir c'est moi-même Ouais. partant faire les touristes avec un appareil photo et prendre des photos un peu de tout et de n'importe quoi. Alors attends, parce que là, du coup, ça veut pas se lancer. C'est quand même ballot. Mais si, on était en... De quoi? Qu'est-ce qui veut pas se Non, lancer? j'ai la musique d'ambiance qui veut pas se Ah, lancer en bah fait. tiens. Je sais pas. Ça te va? Bah j'ai rien du tout. Mais... Moi non plus. Je suis sur Watch Together, hein. Moi je viens de le lancer là. Ouais, non, mais attends, je vais re... Non, c'est la musique qu'il veut mettre. Laquelle Ouais. j'appuie au pire si tu veux. Attends, bah je vais juste refresh les Ouais, je Watch pense qu'il faut Together. tous refresh Watch Together. Comme ça, on est sûr. Voilà. Et bah ça Voilà. fonctionne Bah là, on est à 2 secondes du 405 secondes. Ok. normalement. Voilà, là j'ai lancé, est-ce que vous avez quelque chose? Ouais. Moi j'entends. Retourne au Hein? début pour être sûr que tout va bien. Bah là voilà. On a le bazar. Voilà, c'est Ok, deux secondes. parfait. Parfait. Tout Bah marche. désolé, hein, un petit imprévu. C'était le petit imprévu de base. Une très belle illustration de Zouk. De Bah oui. Souk? Souk. De Zouk ou de Souk? Parce que C'est là. pas pareil. C'est Ouais. ça. Bouge la fesse à gauche. Ouais, Bouge ton ok. canne à sucre. Bon, on va essayer de rester dans l'esprit Cthulhu, hein. Ben c'est dommage que tu puisses pas mettre d'illustration, quoi. Parce que là, on voit la ville de Londres, on est en Turquie, en fait. Bon, Je t'ai pas bah, censé regarder, non, moi je suis ne te bizarre. distrais pas, vas-y. Enfin si, c'est vrai, c'est qu'on a Londres, moi je suis bizarre. Bon. À Londres, dans le Watch Together? Oui, Non, non, dans dans le stream, le... on voit Ouais. Londres, machin, mais en fait, on est en Turquie. Ah oui, Ouais. j'avoue que On est j'ai toujours en pas... 1923, J'ai en plus... Non, mais depuis... J'avoue que là, j'ai pas vraiment fait les choses Et ça bien. fait C'est deux pas grave, quand c'est même. pas grave, ça a commencé, vas-y, Gossel. Bon. Et d'ailleurs, je crois qu'on doit se séparer, non? Du coup. Alors du coup, ouais, là, je fais vite fait mon petit résumé à moi. Ouais. Vous étiez donc arrivé à Constantinople, effectivement, et vous aviez rencontré du coup le professeur d'émir qui vous avait mis au courant de l'enlèvement de son fils, qui s'appelle donc Barlas. Du coup, les ravisseurs lui avaient laissé une note disant que, en fait, vous deviez leur rendre tout ce que vous aviez en rapport avec le Fez, c'est-à-dire les Fez que vous aviez récupérés, plus les murmures du Fez, ainsi que, bah, du coup, que vous cassiez. Le plus rapidement possible, une fois que ce sera fait, c'était la seule condition pour que on lui rende son fiston. Mais comme il les connaît déjà assez bien, il sait que quoi qu'il arrive, ce ne sont pas des personnes sur qui on peut avoir confiance, et que il est sûr que quoi qu'il arrive, bah, tout le monde mourra. Soit son fils ou voire vous-même, si vous faites cet échange. Il vous a du coup un peu briefé sur Mancaf, ses relations qu'il a par-ci par-là, notamment, comment s'appelle, Nisra, qui se prénomme maintenant la fille du destin, et qui est une. Comment dire, une fille assez mystérieuse qui le seconde un peu dans son culte. De plus, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez fini de, enfin, il vous avait fini, il avait fini de vous traduire le dernier passage du coup du Fez, hein, qui était donc la porte et la clé. Je crois que. En gros, c'était tout Il ça fallait par qu'on rapport à ça. revienne le voir dans un temps donné, non? Bah, en fait, lui, il continue pendant ce temps-là à essayer de traduire le reste, donc tout ce qui était Ouais, en voilà, c'est sumérien.
pour vous. Donc vous savez que vous avez rendez-vous sur les quais, enfin les docks de Cassim Passa le demain soir à minuit. Et donc c'est ici que vous procéderez à l'échange. Voilà. Donc vous décidez de partir faire vos petites enquêtes à droite à gauche. Vous avez donc George Banks et toi, le professeur Worth, vous décidez d'aller visiter plusieurs endroits de Constantinople. Dont, alors je crois que vous, c'était l'ambassade et on voulait aller au trésor impérial. Voilà, le trésor impérial. Tandis que pour vous, Cassim Pollat et Barrington, vous deviez aller au départ, je crois que c'était quoi, c'était le musée des antiquités. Le musée impérial des antiquités. Ouais. Voilà. Mais juste avant de vous barrer, vous aviez été attiré par une personne assez suspecte qui vous a dirigé vers un personnage assez mystérieux qui se nomme le Français et qui habite dans la partie de Stamboul. Tout à fait. Vous êtes du coup vous êtes passé le voir. Tout à fait. Il vous a révélé des choses tout à fait dont vous seul êtes au courant. Et pour les gens qui ont regardé la vidéo. C'est vrai. Mais pas, bien sûr, George Banks et le professeur Worth. Donc je tairai un peu les informations qu'il vous a données. Elles seront partagées dans un futur. Oui, voilà, quand vous vous retrouvez. Et puis, je crois qu'après, vous étiez parti en direction de ce fameux musée impérial des antiquités. Oui, pour quand même finir. Et nous avions donc repris... vous avez terminé avec le groupe George Banks et... c'était à leur tour. Voilà. Qui s'était rendu du coup à l'ambassade d'Angleterre pour avoir l'autorisation pour pouvoir avoir accès à au trésor impérial, parce que il fallait avoir une ordonnance de l'ambassade anglaise. Oui, parce que sinon, je me sens que vous aviez réussi à avoir cette sans trop de problèmes cette autorisation. Apparemment ils m'ont bien cru, donc j'avais ma carte d'universitaire, donc c'est très bien passé. Et je crois qu'on s'était arrêté vraiment là. Oui. Mmh. Ouais. Du coup, Occident, on repart ou... Hein ? Je vais sortir le chien un quart d'heure, le temps que vous faites votre truc. Un quart d'heure, on n'abuse pas quand même. Mais on retire les casques. Vous pouvez retirer les casques. Alors, maintenant, il faut que je me cale sur vous et sur le truc. On était allé au trésor impérial. Alors, vous dirigez donc vers ce lieu qui est donc le trésor impérial. C'est donc un endroit qui est situé sur les lieux de l'ancien sérail où se trouvait autrefois le palais du sultan. Il s'agit d'un endroit où sont érigés des palais et des musées où est conservé du coup le trésor. Vous savez que à l'intérieur sont contenus les joyaux de la couronne, mais également une importante bibliothèque. Vous avez donc réussi à avoir l'autorisation impériale qui vous avait été donnée par le consulat britannique. Vous arrivez donc devant les portes de ce trésor, enfin de ce lieu, et vous voilà devant un garde impérial. Je lui présente les papiers. Et je lui parle en arabe, hein, donc. Il regarde la paperasse, il vérifie. C'est bien, tout a l'air en ordre.
venez me suivre. Il ouvre un grand portail assez lourd, hein. Vous voyez que c'est quand même assez costaud. Il y a quand même pas mal de gardes impériaux qui sont dans le secteur, donc vous en voyez plusieurs dehors, et il y en a dedans aussi. Bon, après ça paraît logique, hein. Je sens qu'il y a les joyaux du sultan, il vaut mieux que ce soit quand même bien gardé. Vous voyez qu'il vous emmène du coup dans la bibliothèque. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous voyez en fait des milliers de livres. En fait, une bibliothèque gigantesque avec des livres plus ou moins anciens, d'autres qui ont l'air d'être assez récents, mais en même temps, plus vous allez dans le fond et plus les bouquins sont poussiéreux avec des couvertures, enfin des couvertures qui sont plus ou moins parfois abîmées. La reliure est un peu endommagée. Voilà, ou voire un peu décolorée, tu vois, force avec le temps, elle s'est un peu décolorée. Vous voyez que c'est des bouquins qui sont écrits soit en arabe, en grec, en turc, en perse. Voilà. Après, qu'est-ce que vous faites? Moi, je dis à George Banks, surtout, ne touche à rien. Je comptais pas toucher à quelque chose. Ma prévention. Je comprends pas, je touche. Nous cherchons plutôt les bijoux, du coup, les objets un peu de valeur, enfin, en quelque sorte, les joyaux de la couronne. Mais les joyaux ne sont certainement pas accessibles. Les seules personnes qui peuvent avoir accès aux joyaux est le sultan lui-même. Je suis désolé. Pensais que c'était... vous ne pourrez accéder qu'à la bibliothèque, malheureusement. C'est vrai que les connaissances sont peut-être le plus grand trésor que contient ce palais. Ah oui. Donc, George Banks, tu vas m'aider. On va essayer de chercher peut-être quelques trucs. Bah, un petit vu que c'est une ancienne bibliothèque. Un petit jet de bibliothèque, on va dire que ça paraît... Je peux te dire ce que je cherchais pour avoir peut-être une meilleure approche ou pas? Vas-y. Je pense qu'il est intéressant de faire des recherches peut-être sur le culte des frères de la chair, et surtout le fez rouge sang, ça c'est bien sûr, mais comme on sait qu'il n'y a que deux bouts de documents qui en parlent, peut-être voir s'il n'y a pas justement des documents qui eux parlent justement d'une certaine époque avec certains princes qui auraient utilisé le fez rouge sang, bref. Oui. Mais je serais plus partant pour le culte. Et ouais. Après, c'est vous l'intellectuel, hein, professeur. Fais ton jet de bibliothèque. Moi, je peux chercher, par exemple, dans la pièce plus en général, peut-être. Il doit y avoir des objets mis dans des vitrines, ce genre de choses-là, non? Après, ce que tu vois, en fait, c'est que les différents objets qui peuvent être décoratifs sont plus des armes. Des sabres très des sabres orientaux, hein, très, tu sais, très courbes, avec sinon des casques, tu vois, des casques ottomans et des armures de temps à autre. Il y a des espèces de fresques avec des dessins de a priori de passages historiques qui se sont passés, relatant la majesté, la beauté de l'Empire ottoman, la force, la puissance des différents sultans qui sont passés, et la grandeur, bien évidemment, de Constantinople, le joyau ottoman, le bastion imprenable, puisque Constantinople n'est jamais tombé, personne n'a réussi à faire tomber Constantinople, sauf le sultan lui-même, le premier. D'accord. Je cherche autrement. Parce que je sais que moi, faire la recherche d'un ouvrage, typiquement, c'est pas mon truc.
pas faire ça. Mais ce que je peux essayer de faire, c'est aller dans les allées où il y a les plus anciens ouvrages et essayer de prendre ceux qui ont l'air le moins poussiéreux. Bah, faites-moi un chacun votre petit jet de bibliothèque. J'ai de faire un jet de bibliothèque, je peux pas, un jet de TOC, par exemple. Tu es dans une bibliothèque, donc malheureusement pour toi, c'est un jet de bibliothèque. D'accord. C'est pas comme si j'avais 70% pour ma part. Non, j'ai 20%, mais raté, hein. George Banks, tu te sens complètement perdu dans cette pièce, cette immense salle remplie de livres, qui n'est pas du tout un endroit dans lequel tu te sens à l'aise. Même s'il est vrai que la vue de ces objets qui ont l'air pour toi avoir une valeur immense, car ces sabres qui sont accrochés au mur sont sertis de joyaux tels le rubis, voire du diamant, des émeraudes. C'est quand même de belles pièces, hein, même si ils ne font pas partie du trésor du sultan. Donc tu t'imagines que si cette pièce-là n'en fait pas partie, bah, le trésor doit être magnifique. Et tu te rêves à peut-être pouvoir, à un moment donné, entrer dans cette pièce et voir, ou peut-être toucher ce trésor de tes mains. Mais la vue des gardes impériaux te refroidit très vite, car ils ont le regard plus froid que la glace. Et ils sont pas là pour blaguer. Que la pierre du palais, quoi. Voilà. Et plus dur que la pierre. C'est ça. Par contre, toi, Worth, tu cherches ce que tu m'as demandé. Malheureusement, en ce qui concerne le culte, que ce soit de l'écorché ou celui du Fez, rien n'est vraiment... Enfin, tu ne trouves pas vraiment de choses intéressantes. Tu peux trouver à la limite des informations sur le culte de l'écorché, non? Non, en fait sur une île qui serait appelée l'île une archipel d'îles, en fait, qui serait appelée les îles des princes, dont une qui serait l'île des princes maudits, qui serait la dixième île donc de cet archipel d'îles des princes, qui est la plus éloignée d'ici. Et en fait, c'était l'endroit où était envoyé les membres de la royauté byzantine ou ottomane qui étaient exilés. Vu que c'est un endroit en gros assez peu fréquenté, mais que voilà, c'est au fur et à mesure de ta recherche, tu tombes là-dessus, quoi. Tu tombes sur divers passages sur les croisades, les différents princes qui se sont succédés, les histoires des sultans, la grandeur de l'Empire ottoman. Après, il y a bien 2-3 cultes dans ta gauche, mais ça n'a pas trop de rapport avec l'écorché ni le fez rouge sang. Mais voilà. Malheureusement, tu as l'impression qu'ici, c'est pas vraiment là que tu trouveras vraiment ce que tu cherches, malheureusement. Cet archipel, est-ce que je peux en apprendre plus sur l'archipel? C'est vraiment les seuls documents. Parler juste des princes podis, l'île des princes podis, quoi. Tu vas... Alors, attends. Ça, tu as bien trouvé une carte où
Justement, il est fait. Enfin, il est. On te donne l'endroit exact de son emplacement. Attends, c'est où ? Attends. Ah non. Mario. J'ai un petit souci de. J'arrive pas à retrouver mon scénar. Vous avez trouvé quelque chose, professeur ? Que des notes. Mais je pense qu'il s'agit peut-être réellement d'un prince. Et je pense savoir où on peut trouver des princes dans la ville. Ah. Enfin, dans la ville, dans une archipel. Donc il va falloir prendre le bateau. J'imagine que ce n'est pas dans vos cordes non plus, George Banks. Pas dans les cordages, il est vrai. Les cordages, c'est drôle. Le mec, il est en prison. Humoriste, en fait, je suis pas du tout. Désolé, hein, les gens. J'essaie de... Et salut, Akinamna. Ah, Akinamna. Pour faire le coucou. Alors, où est ce... En vérité, et ce que j'ai envie de te dire, c'est que, pour moi, il s'agit bien d'un prince de chair et de sang, mais que ça sent le coup fourré du style des personnes, on va dire, très proches de la royauté. Mais bon, là, c'est des personnes en exil, donc des personnes qui craignent un peu, comme diraient les jeunes. Ah oui, ils ont fait une Sainte-Hélène, quoi. Oui, on peut dire ça, une Sainte-Hélène. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Ah oui. Ah ouais, on a une belle carte. Vous avez reçu la carte ou pas? Ah oui, avec l'île de Nistra, ouais. Voilà, donc, merde, Marama. C'est en gros, voilà, tu retrouves ce plan du coup dans tes recherches et. Nistra, c'est pas la. Attends. Nistra, c'est pas la fille du destin? Quelle coïncidence! Voilà, c'est. L'île maudite, en fait. L'île des princes maudits. Voilà. Et voici donc du coup, tu trouves ça et également tu trouves un plan détaillé de l'île en elle-même. Mais je suis bon. Bah oui. Parce que je t'ai apporté les bons documents. Voilà, tu te débrouilles bien, donc il est tout à fait normal que. C'est à 22 km des côtes de Constantinople. La dernière carte a l'air de dater, mais il me semble qu'il envoie les points cardinaux. Enclos pour les chèvres. Je doute que ce soit le meilleur fromage de la région, mais pourquoi pas faire un tour. La tour de Nisra. Y a-t-il des sujets sur cette tour ou y a absolument rien? Bah là en soi, c'est la seule chose que tu trouves. Ouais. Là, c'est uniquement, en fait, c'est un vieil ouvrage qui mentionnait l'existence de cette île et son emplacement dans l'archipel des îles des princes. Après, ce qu'il y a à aujourd'hui maintenant dessus, tu n'en as aucune idée. Ce n'est qu'à titre d'information, bien sûr. Voilà. Donc, voilà ce que tu trouves à ce moment-là. Mais très bien. Mais tu te rends compte très vite que. On a passé pas mal de temps. Qu'il est fort probable que tu ne trouves pas plus que ça dans cette bibliothèque. J'embarque la carte avec moi. Alors, du coup, ce qu'on te propose, c'est bien sûr que tu ne peux pas emmener le bouquin avec toi, bien évidemment. Donc, c'est que si tu te débrouilles bien de faire le dessin toi-même sur un morceau de feuille. Ok. Bien sûr. Tu vois, je fais les îles et tout cela. Oui, ça va être compliqué. Surtout que j'imagine que l'île se trouve. Alors, Google n'est pas avec moi pour le moment. mais j'imagine que ça va se trouver du côté
oriental du... Oui, sud-est. Sud-est. Du Bosphore. 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 Du Bosphore. C'est pas... Ce serait pas impossible. Parce que vu que, bon, je peux extrapoler, mais je vois que Samandira, vu que ça a l'air d'être une côte, je pense que oui, ça doit être à... Oui, oui. Ouais. Ça doit être toi la suppose bien. Bref. Pas cartographe, mais je pense que... Je suis pute, parce que je vois Constantinople à gauche, donc je me dis... à 22 km. Très bien, je prends note, je fais une petite carte en... Est-ce que tu as des talents de dessinateur, toi, Georges Banks? Parce que sinon, je peux te laisser faire ça, et puis je vais aller dans d'autres lectures. Après, j'estime que vous n'avez pas trop de problèmes à dessiner, à m'enlever comme ça la carte. C'est pas, on n'est pas dans un portrait, voilà, c'est juste des contours d'île pour essayer de faire au mieux au niveau de l'échelle et tout ça. Je suis sûr que j'ai un bon coup de crayon, moi. Voilà, donc y a pas, vous n'avez pas trop de difficultés à récupérer avec votre dessin. Ça ira très bien comme ça, ne vous inquiétez pas. Je me suis créé une petite note où j'ai mis les deux images comme ça, on pourrait... Du coup, qu'est-ce que vous faites maintenant? Quelle heure est-il? Alors, je regarde ma montre. Je n'ai pas de montre. Oui. Bon, on va dire que vous étiez arrivé donc à Constantinople à 11h45. Au trésor impérial. Et donc le temps de faire tout ça, d'aller chez l'émir, on va dire qu'il doit être sur les coups de 14h. On a le temps de manger un petit morceau avant d'aller peut-être faire un tour au musée impérial des antiquités. Qu'en pensez-vous? Oui. Alors. Je crois que c'est vos amis. C'est là où ils sont allés. Oui, ils sont allés pour aller au costumier là. Ils sont pas au costumier. Oui, ils sont allés au musée impérial des antiquités. Ah bah, du coup, on va au musée du costume. Si on... Ouais. Moi, j'avais un truc en fait. Bah, je les avais mis en plus qu'ils sont allés au costume. Ça. Ok. Ok, bah, je marque et puis on prend un... un petit repas avant d'y aller et puis pas trop épicé. L'estomac. Vous arrêtez dans un petit stand de bouffe de rue. Hein, le vrai kebab, c'est. Vous voyez le gars qui est là. Qui non, ça n'existait pas à l'époque. Enfin, non, mais pas. Il vous fait une viande, voilà, plutôt épicée, un peu. Enfin, voilà, vous voyez qu'il met des, un espèce d'épices. Comme des acras, un peu. Voilà, vous sentez d'ailleurs des odeurs qui exhalent, voilà, c'est très très odorant, c'est assez enivrant un petit peu les rues de Constantinople, entre la bouffe et puis plus les parfums qui arrivent un peu de partout. Vous sentez vraiment dépaysé par rapport à ce que vous avez eu l'occasion de connaître jusqu'à présent, surtout toi évidemment, George Banks, puisque voilà, tu n'avais connu que les rues de Londres. Et là, tu te retrouves dans l'Empire ottoman, à Constantinople, et une ville légendaire qui a traversé les âges. Et donc, vous mangez rapidement et vous dirigez du coup vers ce musée des costumes anciens. Ce musée donc est tout proche de l'hippodrome. Hein, de Constantinople, qui est ouvert de 9h à 16h tous les jours. Bah, tiens. Et du coup, vous avez donc la possibilité de pouvoir rentrer ici. Vous n'avez pas besoin d'autorisation spéciale. Vous rentrez et vous avez du coup des costumes, évidemment. Dans un premier temps, donc des armures, des habits d'une époque passée où, avec des longues robes pour les hommes, hein, des djellabas et tout ça, vous avez des chèches, vous avez des fez qui ne sont pas rouge sang bien évidemment. Vous avez des tenues de femmes magnifiques, serties de cuivre, de pièces métalliques qui brillent, de pierres précieuses,
qui te font briller les yeux, George Banks. Et puis vous voyez aussi autour eh bien des bouquins. Car là aussi, il y a une bibliothèque qui renferme bah, du coup un savoir ancien et récent. Mais moi, tout de suite. Bibliothèque. Est-ce que tu viens avec moi, George Banks? Est-ce que tu bibliothèques aussi, George Banks? Non, moi, j'ai envie de chercher dans les différents vêtements, en fait. Alors attention, parce que les vêtements, c'est un musée. Les vêtements sont dans des vitrines. Hein. Tu oui, oui, non, mais je veux dire. Par exemple, il doit y avoir des vêtements d'anciennes sectes, ou bien même... Non, mais c'est vrai. D'anciens cultes, je veux dire. Un petit poignard, comme ça. Non, bah, c'est bah, pas tu, vrai. Tu vois, d'apparat comme tu ça. Vois effectivement des espèces d'ensemble. Alors, pour ceux qui connaissent, des derviches tourneurs, donc avec des pantalons amples, très ample, avec des espèces de chaussures qui remontent, tu sais, vous voyez, dont le bout remonte et s'enroule, pour faire assez, comme une moustache, tu sais, là, les moustaches qui s'enroulent. Et bah, donc des chemises, pareil. Mais après, il n'y a rien de qui puisse paraître plus secte qu'autre chose. Il y a peut-être des habits qui sont sombres, rouges, verts, des chemises, des robes, des pantalons, pas forcément des choses qui auraient un rapport avec une secte quelconque. D'accord. Bon. Je l'accompagne alors professeur Wars. Alors, le professeur Wars, il va nous faire un petit jet de bibliothèque ou il l'a déjà fait? Non, j'attendais juste ton autorisation. Eh bien, et paf, fais-nous. 38, j'ai fait un succès majeur. Voilà. Écoute, tu es peut-être extrême, hein. Bah non. Comme à ton habitude, George Banks, encore une fois, les bibliothèques, c'est pas ton truc, les musées, encore moins. Je m'assois sur une chaise. Et j'attends nonchalamment qu'il termine. Tu sais quoi, non, moi j'ai visité en attendant. Voilà, tu vas regarder les différents costumes et accessoires que tu peux voir, qui te font rêver par moments, parce que quand même, il y a des belles pièces et... Oui, voilà. Voilà, il y a des joyaux dessus, hein, ça brille, hein, ça doit valoir de l'argent. Hein. C'est beau comme ça. Mais malheureusement... Ne tente pas, MJ, ne tente pas. C'est un enfant qui a pas de problème. C'est sous vitrine. Et il y a quand même des gardes, même si c'est pas des gardes impériaux, ça reste quand même des gardes qui sont pas commodes. Donc surtout le vol à la tire, je suis pas si fort que ça. À tout moment. Surtout que dans à Constantinople, un voleur. Le vol c'est puni. On lui coupe la main, donc c'est vite réglé. Je pense que tes mains t'en as besoin. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Le problème, ce n'est pas de voler, c'est de se faire. Alors. Quant à nous, professeur Wurst, tu cherches. Et ma foi, il y a des choses qui pourraient être, qui font référence à des textes, enfin à un bouquin que tu connais déjà, qui s'appelle les Murmures du Fès. Oui, bien sûr. Bah dis donc. Pour un livre qui semble être assez dur à trouver. Tu arrives à comment dirais-je à trouver un bouquin qui t'aiderait ou accélérerait la traduction de la partie sumérienne des Murmures du Fès. En l'état. Et de ton poste de professeur, en gros, c'est comme si on te donnait la clé pour comprendre, et que d'un coup tu avais la table de Rosette là, tu sais, avec les champignons, voilà. La traduction grecque et l'Égypte. En gros, tu as l'alphabet sumérien et à quoi ça correspond en arabe.
Oui, bah ça, c'est pas mal. Tu pourrais tout à fait, avec ça, traduire la partie sumérienne des murmures du Fez. Est-ce que je peux prendre le bouquin avec moi? Alors, non, tu ne peux pas. Maintenant, si tu veux perdre. Enfin, si tu estimes que ça vaut le coup, tu peux perdre un petit peu de temps pour recopier cette partie-là sur une feuille, enfin sur des feuilles. Je vais perdre un peu de temps. Je même si j'ai totalement confiance au professeur Demir, même pour moi, si. On ne sait pas, on ne sait jamais, mais ça pourrait certainement être utile. Donc, je vais prendre cette partie du texte. Le sumérien traduit, traduisible. Voilà. Enfin, la traduction, quoi. Mm-hmm. Toujours en est dans vos bouquins, là, professeur. C'est. Pas comme peut-être ça que vous avez chose réussi à séduire une fille. Hein. Je pense que vos propos sont assez George Banks. Du coup, bah, tu vas passer, on va dire, une bonne heure pour récupérer tout ça. Et ce qui t'aidera, et pour peut-être aider aussi Demir, puisque lui le fait sans ça, hein, donc il peut-être qu'il pourra trouver ça beaucoup plus vite. Pendant ce temps-là, toi George Banks, tu continues à tourner, tu vois que le professeur est en plein recopiage, il est à fond, tu te demandes, tu te doutes peut-être qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant, mais ne comprenant rien à tout cela, tu continues à... regarder avec avidité ses costumes bariolés de pierres précieuses et d'or. Cher d'un monstre quand tu le dis. Mon précieux. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, une heure se passe. Finalement, tu finis de recopier tout ça. Tu penses que ce sera a priori la seule chose que tu pourras trouver dans ce musée, ce qui est déjà une très bonne chose, hein, ça peut être très utile. Et vous avez fini faire ce que vous aviez à faire, et je sais pas ce que vous voulez faire maintenant. Bon, on va rentrer voir le professeur Demir et lui... Je t'avais perdu en son, mais... Aller voir le professeur Demir et donner la question que j'ai pu obtenir. Et puis je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on avait envie de chercher. On a quand même pas mal d'indices, enfin d'indications... Et surtout que j'imagine que ça va aller un peu plus loin que ça avec les informations qu'on aura des autres. Exactement. Donc, vous rentrez à la propriété du professeur Demir. Et vous allez repasser aux deux autres pour terminer justement ce qu'ils ont à faire au musée des Antiquités. Et donc, je vais demander... Alors, vous enlevez le casque et je fais remettre les deux autres. Mais rebonsoir, messieurs. Salut, Barrington. Bonjour, Cassim Pollat. Vous êtes donc parti de la propriété du Français, où vous avez glané des informations plutôt intéressantes, il me semble. Ou très intéressantes, même, je trouve. Et du coup, vous vous dirigez vers le musée impérial des Antiquités. Oui, dans l'idée. Même si, finalement, avec les réponses qu'on a eues par le français, je me demande si ça c'est toujours aussi pertinent, mais... C'est vous qui voulez. Moi, si vous décidez que je me souviens, que je me souviens du plan qu'on a établi il y a seulement quelques heures, à la base, on fait tout ça pour se renseigner sur toute cette histoire-là de sang royal, de tout ça. Oui. Mais du coup, avec tout ce qu'on vient d'apprendre sur le prince, etc., je pense qu'on a une excellente piste. C'est ça. Du coup, je sais pas, je demande véritablement à mon cher ami... Barrington, excusez-moi, c'est non. Cher ami Barrington, si vous trouvez ça toujours aussi pertinent qu'on y aille, ou si finalement on essaie juste de retrouver les autres et on... Aller au musée des fringues ? Ouais, enfin c'est le là, musée... Vous allez au musée impérial des Antiquités. Des Antiquités.
Si on cherchait les informations sur tout ce qu'il y avait en rapport. Costumes, ouais, du coup, enfin, ça a inversé. Les autres sont allés au costume et vous, vous êtes allés. Ah oui, parce que c'est ta faute, parce que c'est ta faute. ouais, non, mais ça sert à rien au final. À moi, ouais, c'était où alors, vu que t'avais inversé, parce que moi j'étais parti pour les costumes. Du coup, c'était le musée impérial des antiquités. Ouais. On va quand même jeter un coup d'œil, on sait jamais. Ouais. Y a quoi comme antiquité qui pourrait. Si tu trouves qu'il y a intérêt. Si tu préfères qu'on fasse demi-tour, qu'on fasse un compte-rendu, on peut faire un compte-rendu. Hein. Bah, de toute façon, on le fera. Dans tous les cas, on sait qu'on a un temps limité. Autant y aller, parce que eux, ils sont en train de faire leur truc de leur côté, et comme ça, on fera le compte-rendu après. Bah, allons-y. Exactement. Du coup, vous allez à ce musée. Alors, en fait, c'est un musée qui se trouve près de l'ancien sérail, pas loin du palais du sultan. Donc, c'est un musée ouvert de 9h à 14h30. Ça tombe bien, il est 13h30, donc il ne reste plus qu'une heure avant sa fermeture. L'entrée est payante, donc ça vous coûtera 5 piastres, soit 10 pennies, en gros, que dalle. Voilà, quand vous rentrez à l'intérieur, vous notez que ce musée contient de nombreux sarcophages et d'autres artefacts antiques, des artefacts de Turquie, d'Égypte, de Grèce, de Perse, et aussi quelques pièces qui viennent de Troie. Donc pas Troie la France, mais Troie à Troie. On sait jamais, hein, voilà. Troie à côté de Sète, c'est ça. Voilà. Vous voyez aussi des artefacts des Hittites, des Phéniciens et des Romains. Également. D'ailleurs, avant de partir, Demir vous a dit que il était un ami du directeur. Et ce qui peut vous laisser du coup la possibilité de consulter les différents manuscrits, chose qui n'aurait pas été possible sinon. Voilà. Je me dirige vers les manuscrits, je regarde un peu les intitulés, je regarde les tables des matières, l'index, s'il y a quelque chose qui pourrait être suspicieux. Je regarde une nouvelle collection qui viendrait de Troyes, des Hittites et d'autres, voir ce qui pourrait se rapprocher plus ou moins de trucs toqués. Bah, en fait, de tout ce que vous avez regardé, vous vous rendez compte que, en soi, il n'y a pas vraiment de trucs en rapport avec le Fez. Y a bien des gravures, des dessins sur des parchemins où on voit des hommes portant des Fez, mais sans plus. C'est vraiment juste parce que voilà, le Fez est quelque chose que les gens portent, mais voilà. Vous semblez quand même assez perplexe sur la réelle utilité de ce lieu. Tu mentionnes le fait qu'il y a des sculptures avec des gens portant des fez. C'est des gravures, enfin voilà, c'est sur des dessins. Gravures qui datent d'il y a longtemps. Non, celles-là elles sont assez récentes. Elles sont récentes, tu les as pas, en fait, tu les as pas trouvées sur des. Si elles ont plus de 1000 ans et ils sont avec leurs fez, ça se transmet de père en fils. C'est assez récent. Okay, donc, voilà. Voilà. Okay. Mais en rapport à ce que vous cherchez, il n'y a pas réellement de piste. Par rapport à l'affaire voilà. Duchesse. Hein. Voilà, y a pas, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de choses à gratter. Ouais, du coup, on s'en doutait, mais au moins comme ça, on en est sûr. Oui, voilà, vous êtes allé voir, vous avez vu ça de vos yeux. Exactement. Du coup, vous retournez, je présume, à la résidence du professeur Demi. Demir. Alors. Attends quoi. Au moment où vous arrivez, donc Kassim Polat et toi Barrington,
vous pénétrez dans la maison du professeur Demir et vous. Putain. Ok, d'accord. Vous voyez que le professeur Worth et le George Banks sont déjà présents à l'intérieur en train de discuter avec le professeur Demir. On est en train de prendre bon le thé à la menthe. Voilà, vous êtes avec le. Voilà, ils ont le thé, ils sont en train de se restaurer. Vous voyez donc le professeur Demir qui a les murmures du fesse dans les mains. Et le professeur Worth lui tend des notes qu'il a a priori récupérées de ses petites recherches. Et qui, vous voyez qu'il fait un geste de la tête, genre très, très content de ce que peut lui donner le professeur Worth. Donc je vous laisse donc à la scène. Allez-y. Vous avez passé un bon séjour aujourd'hui ou pas? Oh, tout à fait. Dit-il entre deux gorgées de... De thé. La nuit était fraîche et la brise nous a amené pas mal de petites informations. Pendant que vous sirotiez votre thé, bien au chaud, il fait un peu chaud. Vous vous amusiez dehors, quoi, c'est pas de notre faute. Excusez-moi, il y a un enfant en jeu, parlons sérieusement. Oui, effectivement. Qu'avez-vous eu du coup en... Malheureusement, le trésor impérial. Pas apporté grand chose, mis à part que j'ai retrouvé ce qui semblerait être un endroit bien connu de certains. Il s'agit de l'île de. De Nisra. Oui, tout à fait, oui. Souvenez-vous que Nisra est une des collaboratrices avec Menkaf Hieronymus. Sur l'île qui était en fait nommée l'île des princes maudits, du fait qu'on envoyait en exil les membres de la famille byzantine. La dixième île des princes. Oui, la dixième île des princes qui doit se trouver normalement de l'autre côté du Beaufort, donc côté un peu oriental. Juste au passage, j'en profite, mais professeur Worth, tu te rends compte, tu as l'air assez surpris parce que Cassim Pola te il donne est turc, les infos. Hein. Non mais te donne les infos un petit peu comme ça quoi. Ouais c'est vrai la dixième machin. Mais ce type est né dans cette ville. Oui, je vais pas lui dire. Oui, mais non, c'est vrai mais c'est pas censé quand même être un truc qu'on voit souvent. Voilà c'est un peu un truc. Oublié parce que voilà, c'est pas une île qui est inscrite sur aucune carte. Et j'ai une carte, désolé. Non, c'est une seconde source, là, visiblement, on a eu les mêmes informations. Du coup, moi j'ai une carte avec une carte détaillée de l'île et de. Ah, non, on a pas la carte. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, maintenant on sait d'où vient le fameux sang royal. Puisque Nisra a en fait récupéré un prince qui s'appelle Ramazan, je crois, qui est un sultan exilé pour des raisons de problèmes de santé mentale, ce genre de choses. Il a la syphilis, exactement. Il a la syphilis. Ouais. Exactement. Mais ce qui du coup fait est un sang royal et en plus de ça d'une personne qui ne manquera sûrement à personne. Donc du coup, le sang royal qui va coller via, enfin, Nisra l'a déjà entre les mains. Ce que je sais aussi, c'est que on savait déjà que Nisra s'est dérobé pour aller avec Menkaf. Dérobé. Ouais, c'est dérobé. Elle s'est barrée. Elle a dérobé. Elle s'est dérobée de son chemin, tu vois, genre de... Elle a suivi autre chemin que celui qui était... Tout ça pour dire que, déjà, maintenant, on a une confirmation, mais dans le milieu un peu occulte, visiblement, ici, Menkaf est considéré comme un énorme imposteur. Est considéré comme vraiment une grosse merde pas du tout dangereuse. Et pour le coup, c'est quasiment de la paraphrase de ce que nous a dit le français. Donc, Vous êtes avec des Français, vous ? Non, il s'appelle le Français. C'est son nom. Et mais il a un accent québécois.
Il a un autre truc, quoi. Mais il a, en fait, une personne qui nage un peu dans ce milieu-là. Et clairement, Mancaft est méprisé de tous, parce que voilà, c'est un imposteur qui a tiré le pouvoir du fait sans vraiment être dangereux. Ce qui veut dire que les autres sont beaucoup plus dangereux que lui, ce qui n'est pas rassurant. Mais ce qui veut aussi dire que du coup, si jamais il... Voilà, il y a des ennemis, Mancaft. Si jamais il accroît son pouvoir, il peut devenir encore plus dangereux que le ravage qu'il a fait dans le... Alors, on est bien d'accord, vous parlez de Mancaf Hieronymus et non de Célib Macriat. C'est-à-dire que c'est Célib. Oui, oui, Mancaf, oui, ça m'étonne pas, d'accord. Nisra est avec Mancaf. Oui, c'est pour ça, c'est pour être d'accord, parce que... Oui. Nous sommes d'accord, nous parlons de la même personne, et voilà. Non, mais c'est parce que voilà, quand ça a une confirmation par quelqu'un du milieu occulte, voilà, Mancaft est méprisé et considéré comme un énorme imposteur, ce qui est le cas. Et par contre, ça veut dire que les autres gens du milieu occulte sont plus dangereux que lui, ce qui n'est pas rassurant non plus. Bah, Célib, d'après ce que j'ai compris, détient vraiment une forte du côté asiatique du Bosphore. Mais oui, son culte, rien que le nom, me fait glacer le sang, quoi. Culte des frères. Si jamais ça peut servir, je ne sais pas pourquoi, parce que voilà, si on se retrouve face à Nisra à un moment ou à un autre, Nisra, c'était la pupille du français. La pupille du français. Je dis pas de bêtises, c'est bien du français. Hein, c'était bien ça. C'était ça. Pupille. Il l'avait prise sous son aile pour la former. Voilà, c'était son élève. C'est lui qui formait le culte, etc. Et elle s'est dérobée avec le fez rouge chant, tout ça, qu'elle a donné à Mancaf. Donc, il y a des. C'est l'occulte, lui, qui prêche le français. L'occulte. Honnêtement, je n'ai pas pu lui poser la question directement de excusez-moi, vous croyez en quel dieu destructeur étrange Vous comprenez que bon, déjà il nous a beaucoup donné d'informations, c'est très gentil de sa part. J'avais pas joué avec ses nerfs. Outre. Faut faire attention de ne pas être manipulé par le français alors. Peut-être bien que ça irait dans peut-être son que, mais d'un peut-être côté. Peut-être qu'il a posé un corbeau au-dessus de nos têtes qui nous regarde. En tous les cas, moi je suis certain d'une chose, c'est que nous avons trop d'informations en commun. Soit. Quelque chose qu'il a donné gratuitement. Il a donné gratuitement parce que c'est une information et ouais. Juste. Voilà. Et il a tout donné comme ça, d'une manière assez gentille. D'une manière trop honnête, quoi. D'une manière trop C'était honnête. C'était totalement gratuit et vous avez eu obtenu les mêmes informations, je ne sais pas comment. Si vous avez un peu sué pour ça, mais c'est comme si c'était écrit sur un journal papier, quoi. Bah, en fait, si tu veux, par rapport à Barrington, ils avaient vraiment en face d'eux un gars qui est au courant de tout ce qui se passe. Tu vois, c'est le mec. C'est un mec de l'intérieur. Tu vois, il est vraiment dans le cercle. Mais ce qui explique aussi. Il sait tout et il te dit vraiment. Ce qui me fait penser qu'on peut on peut lui demander, donc s'en servir, ce contact, le français, vu que on m'a rencontré pour les lois. On peut le contacter pour qu'il nous fasse, pour qu'il nous infiltre sur cette île, parce qu'on ne peut pas y aller comme ça avec notre bateau, salut, j'ai une carte touriste. Voilà. Vous savez pas, peut-être. Du coup, on y va avant les champs. En soi, il y a... C'est une île en termes de taille, c'est minuscule. Enfin, je sais pas, tu vois, vous avez vu le plan. Elle fait même pas. Elle est ridiculement petite. C'est vraiment un. C'est comme dans les dessins animés. Il y a une plage, un palmier. C'est même pas un kilomètre de diamètre. En gros, quoi. C'est vraiment une île pour les exilés. Donc, en gros, ils ont. Ouais. Il y a une tour. Un enclos à chèvres. Je vous assure que c'est marqué sur la carte. Il y a une tour et c'est terminé, quoi. Genre. Non, mais elle fait vraiment pas un kilomètre de diamètre, hein, le machin. Tant mieux. Ça veut dire que Nisra et Ramazan là sera trouvable facilement. La porte d'entrée. C'est vrai qu'il y aller avant l'échange. On a une journée complète. On a jusqu'à demain minuit. Aller avant l'échange, ça peut peut-être nous permettre d'avoir. De quoi? De court-circuiter l'échange. Ouais, c'est ça. Ça nous permettra peut-être de court-circuiter l'échange et éviter. Qu'on se retrouve dans un truc gênant où on va perdre un des fesses, on va perdre le manuscrit. Enfin, ce serait peut-être mieux, peut-être, essayer de les prendre de court. Je ne sais pas.
Et sur ce genre d'île, normalement, vu la grandeur de cette île, il ne doit pas avoir des masses de personnes qui... Si on doit rencontrer des gens là-dessus. Bah... Mais c'est après, une armée dans les souterrains. Sinistra est parti là-bas avec Ramazan, je pense qu'il n'y a pas 15 milliards de personnes qui y vivent, quoi. Ça doit être une vieille cave, une grotte, avec des gravures... Voilà, de toute façon, comme il vous a expliqué, pour lui, le français, c'est ce que vous avez ressenti, c'est que Mancave, c'est une grosse merde. Et que son culte, c'est encore plus pourri que ça, tu vois. Genre, il veut faire de son culte quelque chose de puissant, et que il veut, en fait, pour y arriver, il lui faut le fez. Mais avant ça, il vous fait bien comprendre que le culte du fez rouge sang, c'est de la merde. En gros, c'est de la crotte. Ça n'a pas, t'as même pas besoin de t'y intéresser tellement c'est pourri, tu vois. Alors, faut savoir. C'est ou de la crotte ou de la merde, parce que ça peut pas être les deux. De la crotte merdique. Une bonne chasse, non, quoi. Non, en gros, c'est Caca vraiment un culte, voilà, il n'y a pas de poids, il n'y a rien du tout, tu vois. C'est ce que vous avez ressenti. Je connais un peu la cosmogonie, excusez-moi, c'est entre guillemets, je connais un peu la cosmogonie que tout Lovecraftienne, et il vénère juste un monstre, quoi, c'est tout. Il mise tout sur son fez rouchant pour se faire un culte puissant. Ouais. Voilà. C'est vrai que en soi, s'il arrive à faire ce qu'il veut, il peut avoir à un moment donné beaucoup d'adeptes puisqu'il leur met ça sur la tête et il devient ultra puissant. Mais en l'état des choses, vous savez qu'il n'a pas encore maintenant fait. Le rite, le rituel et tout ça, et que pour l'instant, là, tout de suite, il a pas non plus masse de monde. Mais d'ailleurs, il est encore moins consentant ou pas ? Pardon ? On sait comment on crée les fesses ou pas ? Oui. Enfin, on sait comment ils se dupliquent. Ouais. D'accord. Et en fait, ils l'ont découvert dans le manuscrit des murmures. Dans le train, on était encore dans le train. Voilà. D'accord. Je viens de dire. On est les meilleurs. Mais c'est vrai que tu t'es pas vraiment intéressé à tout ça parce que tu sais que t'as les deux professeurs qui sont. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. Voilà, donc tu les laisses gérer. Je vais pas trop écouter à ce moment-là parce que mon personnage de base il écouterait pas. Enfin, il s'intéresserait pas plus que ça parce que c'est un charabia scientifique et. Voilà. C'est pour ça que je redemande. Et linguistique. Expliquez-moi clairement. En londonien, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oublie pas que je viens de Baker Street, quoi. Merdouille, quoi, vous direz. Enfin, okay. Bref, voilà. Donc, du coup, vous croisez un peu vos informations. Alors, je sais pas si vous aviez fini de le faire ou pas. Je ne sais pas. Il me semble avoir donné toutes les informations qu'on a. J'ai trouvé un alphabet bizarre, préciser. Vous, professeur. J'allais le dire. Je vais juste préciser que de ce que je sais, c'est que Nisra est toujours accompagné par un eunuque noir. C'est vrai, c'est son garde du corps. Et que il y a une procession de serviteurs dévoués au culte qui sont aussi autour d'elle à son service. Ouais. Que dire d'autre ? À part que Ramazan a la syphilis. Voilà. Lui aussi, il doit être allé un peu à Baker Street, alors, s'il a ça. Si Baker Street, c'est la rue de la syphilis, excuse-moi. Mais du coup, une fois que vous avez toutes ces informations-là, vous voyez que, du coup, le professeur Demir se lance à fond dans la traduction, et du coup, ce que tu lui as apporté... et que tu n'as pas évoqué aux autres, justement. Ça peut être intéressant de lui. De quoi ? Ah ! Ouais. Un document, justement, qui permet de traduire la partie en ancien cimérien. Sumérien, oui. Sumérien. Ouais, parce que Conan le Barbare, il n'était pas là encore. Donc du coup voilà, il a trouvé des textes qui lui permettent de traduire littéralement du sumérien à l'arabe plus facilement.
Et il a copié ça le musée des costumes Des costumes anciens, oui. Des costumes anciens, voilà. On me demandait pas quand il a trouvé ce livre, hein. Même moi j'ai pas compris. Dans un musée de costumes, trouver un bouquin antique. Ah. Non, un bouquin sur l'alphabet sumérien surtout. Du coup, bah, vous voyez qu'avec ce truc-là, Demir va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite à traduire. Il avait déjà traduit une partie, mais avec ça, ça accélère quand même pas mal les choses. Et que... vous voyez qu'il vous dit, techniquement, que... tout ça explique qu'il n'est pas clairement... utile de trouver un vrai prince. Que toute personne qui porte le fez et accomplit le rituel est considérée comme un prince. Oh, mais du coup, on peut tuer Minecraft. Parce que okay. Minecraft, du coup, c'est... D'accord, après, bah. il est marqué littéralement que l'accomplissement du rituel serait désastreux puisqu'il permettrait au père de tous les sorciers, un être maléfique qui dépasse la conception humaine du mal, d'entrer dans notre réalité. Le coût que la ville, voire le pays, aurait à payer serait terrible. Vous allez tous me faire, je ne sais pas si vous en avez, mais je sais déjà que vous allez... tous échoués lamentablement. Un test de 8 de Toulouse. Ah d'accord. Bah j'ai non. J'ai bah... Non. Mais attends, c'est la seule compétence que t'as pas le droit de monter de base. Non, que tu n'as pas de base. Et que tu n'as pas. Oui. Donc voilà. Eh hey, mais hey, en vrai. Mais là c'est pour en gagner, hein, c'est normal. En vrai, s'il n'y a pas de. C'est de la triche, MJ, c'est vraiment de la triche. S'il n'y a pas de réussite, j'utilise mes 6 points, je le dis. Hein. Bah, c'est de la triche. Ah, tu connais mon score. Tu peux. Bah oui, mais oui, je peux. J'ai 0, j'ai fait 6. Donc en vrai, là, tout le monde a fait son jet. Non, il manque. Non, mais bon, vas-y, hein. Il manque quelqu'un. C'est des gros jets de merde. J'utilise mes 78 points. Donc vraiment, okay. tu fais ton jet de. J'utilise mes. Alors, je tiens à te dire, si tu les utilises, c'est-à-dire. Tu réussis le jet et t'auras peut-être pas des points, justement, pour avoir des points de Mythe de Toulouse, il faut rater ce jet. Non, là c'est vraiment... Ah, c'est même pas, on peut même pas le cocher, fait, du coup. Il le fait pour réussir son jet, parce que oui, effectivement, oui, voilà, okay, même si tu utilises des points, tu n'auras pas... Voilà. Ah non, mais je l'utilise de toute façon, pour ce sont qu'on des n'ait pas un échec. Ça ne servirait à rien. Sachant oui. Que pour embrouiller personne qui nous regarde, nous avons tous 0. Voilà. En fait, le mythe de Cthulhu se gagne que dans en fait quand vous sortez de vivant. Je crois que attends, il faut que je remette de la musique, non? Je crois. Ouais. Change du bazar. Bah, mets de la mandoline. Aziz. Bon, moi j'ai dépensé mes 6 points. On s'en occupe. Monsieur l'MJ. J'ai pas mis de musique du bazar. Oui, c'est un succès ultime. De quoi ? Donc c'est un succès ultime, effectivement. C'est ultime. J'ai fait. Oui, enfin tout ça pour ça. Voilà. 0/0. Vous arrivez à mettre quelque chose là en musique ou pas ? Bah, tu veux que je te mette un truc ? Oui, d'accord. Je sais pas. Vous me dites que vous en occupez. Moi, je touche à rien. Je sais pas. D'accord. Bah, il s'en occupe. J'ai mis la suivante, la musique de bar. Donc voilà. Il s'en occupait, notre ami. Ouais, comme tu veux, parce qu'après, il y a Harry Potter. Vous êtes rentré dans un bar de... États-Unis. J'ai entendu parler de tout ça, j'ai couru dans un bar et j'ai fait « Je m'en souviens de ce que c'est !» Non, mais il s'en occupe, Xan, il s'en occupe. Donc tout ça pour dire que... Toi... Et tu ne sais pas d'où vient cette information. Comme si un truc venu de d'une part te tombait dans la tête. Ah non, je vais peut-être pas mettre ça. Fable. Non, en fait, tu aurais entendu un jour quelqu'un parler de ça. En fait,
dans une convention d'occulte où tu t'étais rendu par erreur en fait. Tu pensais avoir une convention qui parlait d'histoires anciennes et en fait tu t'es retrouvé dans une convention d'occulte. Et tu as entendu parler de ce père de tous les sorciers. Ouais. Harry Potter. Et en fait, il était connu sous un autre nom. Et cet autre nom n'était autre que Yog-Sothoth. Très bien. Et ça m'aide beaucoup de savoir ça. Voilà. Parce que c'est la seule chose dont tu sais après de savoir. Tu savais pas plus, t'as juste entendu ça que ce serait un. Et je répète à mes amis, ah d'ailleurs, j'ai entendu le jour où je me suis perdu dans une convention occulte alors que je croyais à une convention historique. Tout à fait. De toute façon, vous demanderez à votre père. Vous demanderez à Worth, qui n'est pas du tout votre papa. Je suis un historien très sérieux. Et il semblerait que. Il a un autre nom, le père de tous les sorciers. C'est Yog-Sothoth. Bien que ce soit, voilà, ce nom n'apparaît nulle part ailleurs, on sait pas ce que c'est, mais je le sais. Ça nous avance à quoi ? Alors, c'est Harry Potter, le père de tous les sorciers. Demir continue son à expliquer tout cela une fois que Kassim Polat a donné ce nom. Il réagit pas au nom de Yog-Sothoth, il non, connaît non, pas. Non, personne ne le connaît. Tu es le seul à connaître ce nom parmi. Et encore, tu connais le nom, mais juste le nom. Tu sais pas. Ah oui, non, totalement, je sais. Mais je sais même pas. Je sais même pas comment ça s'écrit. J'ai entendu. Il continue à expliquer tout ça et il vous dit que les hiéroglyphes indiquent également comment détruire le Fez définitivement. Quelqu'un doit donc porter un Fez à proximité du contrôleur actuel et le vaincre dans un combat de volonté. Le plus beau, c'est George Banks. Il a réussi à comprendre que les symboles sur le Fez décrivent le rituel qui permet la destruction. C'est un sort qui s'appelle détruire le Fez. D'accord, bon. Voilà. Honnêtement, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué que ça. Ça aurait pu être pampan cucu. Alors, je vais vous expliquer. Ou la grande fessée. Ce que c'est que le sort. Combat de volonté, ils entendent quoi ? Un combat de volonté, je pense, c'est un combat par l'esprit de contrôle mental sur qui deviendra le chef. T'es sûr que c'est pas un duel des ombres et on invoque des cas ? Mais vous faites des références aux choses qui n'existent pas, arrêtez ! Nous sommes en 1880. Dragon blanc aux yeux bleus. Alors voici ce que ce que vous devez faire pour détruire le Fez. Tu le poses tout Non là je vous le donne comme ça. Là, ah d'accord. Je vous le donnerai. Oui, bah, okay, là je vous le dis. Non non mais c'est bon. Je croyais que tu postais un truc parce que j'entendais des bruits de clavier. Celui qui lance le défi doit porter un Fez rouge sang et recopier les hiéroglyphes présents sur le Fez tout en formulant le rituel. Il doit ensuite sacrifier. Alors là, je vous le dis aux joueurs parce que c'est pas marqué comme ça sur les murmures. Hein. 15 points de pouvoir. Croiser. Le regard du contrôleur et donc doit réussir son test d'opposition de pouvoir, évidemment. Je vous dis, ça sera pas moi, il va m'en manquer beaucoup. Hein. Et du coup, c'est quand qu'on sacrifie une poule ? Ça a beaucoup de pouvoir, la poule. Échoue, il peut retenter sa chance et à chaque fois dépenser des points de volonté. Donc du coup, si c'est un succès, si tu réussis, le fesse du celui qui défie devient le fesse dominant en lieu et place de celui qui était avant le contrôleur. Il peut alors décider de détruire tous les fesses.
c'est instantané. Celui qui détruit... Y compris le sien ? Ou c'est pas indiqué ? Mais attends. Celui qui question. Détruit les fesses perd un des 10 de santé mentale. Je suis moins partant pour le faire. Là, Banks, il a pas grand-chose à perdre. Non, allez-y, je suis encore jeune, moi. Toutes les personnes qui portent un fez voient leur tête exploser. À la canne survivante, c'est. Je laisse porter le fez, moi. Et donc, du coup, le fez de celui qui est devenu dominant se délite littéralement et en une pâte rouge qui coule sur le visage de celui qui le porte, laissant une tache indélébile. Oh merde! Putain, c'est quand même relou, hein. Il y a quand même pas mal de points négatifs. Bon, en tout cas, sachez que... Sans blague, c'est de la sorcellerie. La personne qui fait le test, qui va tenter le combat, peut tout à fait mourir assez rapidement dans celui-ci. Donc, mais en tout cas, si jamais... Je pense avoir les épaules pour faire le combat, après... J'avoue, les effets négatifs m'embêtent un peu. J'aurais bien aimé ne pas finir fou. Vous savez, les effets négatifs embêtent tout le monde, de base. Hein. C'était donc ça. Donc, on peut... Bon, en tout cas, y a certaines personnes sur qui je pense ce combat risque d'être un peu compliqué. Je pense notamment à la personne qui avait marqué folie permanente une des sessions dernières, là. Non, mais c'était... Il y avait eu un problème. En fait, il y avait un chiffre qui avait sauté. N'empêche qu'en vrai, voilà. N'empêche, la question va se poser du coup parce que. Mais je vais vous laisser le faire, hein, si vous voulez le faire. Moi, je suis. Ah non, temps, mais hein. Si vous voulez le faire. J'ai même pas compris comment on faisait un combat. Enfin, comment. Il faut faire quoi ? Faut combat mental. La chèvre avant ou après ? Je comprends plus, moi. Avant. Faut sacrifier voilà, avant. Quoi qu'il en soit, il y a un enclos de chef pas loin hein, sur l'île de Mystra. Le professeur Débir vous explique un peu tout ça. Voilà, vous savez maintenant ce qu'il en coûte, ce que vous allez devoir faire pour venir à bout de tout ça. Et du fez notamment. Car c'est la seule façon de pouvoir le détruire. Alors, juste un truc, déjà. Oui. Déjà, il faut que tu arrives à porter ce fez sans devenir fou. C'est la première étape avant même de faire quoi que ce soit. T'es un fez sur la tête. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu es prêt à le faire maintenant? C'est chaud. Après, mais attends, vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez très bien le faire une fois arrivé sur place. Pourquoi vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite? Oui, on peut le faire. Mais c'est vrai que de toute façon. Moi, voilà, je vais dire directement tout ce que je pense. Je pense qu'il va falloir désigner des personnes, un truc. Les élus. Les élus du fez. Voilà, il va falloir faire des élus, et malheureusement, parmi nous quatre. Donc, cette phrase me fait énormément de mal parce que je sais que je suis bien ciblé. Mais il va falloir surtout prévoir des plans B. Si jamais la première personne se plante et devient totalement fou, il faut garantir. Après, il y a une personne qui prenne le relais pour tenter de mettre. Une ceinture de dynamite autour de l'élu, et au cas où ça foire, on fait tout péter. Cassim, écoute mon argument qui est implacable, imparable. Tu es turc, un fez ne fera pas de tâche sur toi. Après, à savoir que vous avez deux fez. Oui, mais. La gauche, la droite. Moi, je propose quand même que ça soit les deux professeurs, parce que le combat de volonté, pour moi, c'est vous qui avez le. L'intellect le plus développé, la verve la plus aiguisée, donc ça serait peut-être à vous de le porter justement, parce que vous êtes les plus à même en fait à vaincre. Je suis d'accord sur ce point-là, c'est pour ça que dès le départ je me suis un peu désigné, malgré le fait que la folie démarque un délibile ne me tente pas énormément. Il insiste à te persuader sur ton volontariat, que veux-tu? Après, mais moi je dis ça, je dis rien. Je ne suis pas tant que ça. Je tiens à dire que des personnes de votre groupe, ceux qui ont le plus de volonté, parce que je vous le dis quand même. Je ne suis pas professeur. Non, le dis pas forcément. Toi, moi. Cassim Polat, et oui, toi, George Banks.
C'est pas, vous pouvez pas le dire, ça. Voilà. Tous les oui, autres, c'est vrai. Vous êtes quelques... en... voilà. Voilà, bah ah. Écoute, le père sacrifie le fils pour sauver le monde, tout va bien. Et c'est quand qu'il y a le dieu, il vient, il dit « Non, ne fais pas ça, Abraham !» Hein voilà. Mais vous savez que quand les poules auront des dents, je crois. Vous avez deux personnes qui sont plus aptes à endosser ouais, le... Voilà. Mais moi, je suis moi. Blif, là... Que, quoi ouais. Non. Il a complètement coupé, hein. Ouais, il a complètement... Ça y est, il est revenu. Oui, pardon. Non, mais moi, je sais pas écrire les glyphes anciens. Ils demandent qu'on écrive des glyphes, là. Je suis pas spécialisé non plus en écriture. Il y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Je peux t'aider. Les Sumériens, vous connaissez, quoi. Moi, tu apprendras par cœur le rituel et comme ça, si jamais Kazim Prolet venait à ne pas s'en tirer, qui a dit que je partais premier sur tes épaules. En vrai, c'est quand même enfin, un sacré choix, malgré le fait que je sois turc, et je pourrais même dire, parce que je suis turc, c'est raciste, t'essaies de tuer la seule personne racisée de ton groupe. Non. Et surtout... Ça vient de disparaître, tu vois, c'est... Ah, en vrai, moi, plus que le sacrifice individuel, parce que de toute façon, on va devoir y passer, moi, je veux surtout m'assurer que le groupe derrière est capable de faire ce sacrifice si jamais ça foire, en fait. Moi oui. Mettez-vous d'accord. Là maintenant tout de suite. Passez-moi un fait. Va faire. Qui prendra la relève de Kassim si jamais il ne réussit pas. Moi. J'ai compris que c'était moi en premier. George Franks, moi je pense. Oui, je le ferai. Mais bon, ça m'énerverait de tâcher ma gueule d'ange. Tu crois que moi ça. Tu crois, youpi, je vais devenir fou peut-être. Donc sur ce. Vous avez désigné les volontaires pour cet acte, mais en sachant que Kassim Polat est le premier et voilà, il sait peut-être quelque part que s'il ne fait pas ça, et au dire du professeur d'Émir, sa famille est en danger car elle est à côté de Constantinople et que s'ils échouent, ils pourraient juste mourir. Donc ça peut aussi être une raison. Apparemment, la venue du fils, enfin du prince des sorciers, ça détruit tout sur je sais pas combien de villes. Donc, à un moment, faut penser collectif, quoi. Faut sauver. Voilà. Mais tu sais que parmi ces gens qui sont présents, il y a ta femme et des enfants. Évidemment. Ça peut te motiver pour faire quelque chose. Moi, j'avais quand même des choses à dire. Oui. J'aime bien dire des choses, et il faut dire les choses comme elles sont. Sachant que on sait que tu peux, avec si t'as un fez sur la tête et que tu as, disons, dompté le fez, tu peux en créer d'autres. Imaginons, et je me souviens qu'on a lu ça, tu arrives à contrôler mentalement plusieurs personnes, dont les membres des frères. Alors. Pour pouvoir être celui qui contrôle, il faut d'abord défier celui qui contrôle. Ah, mais ça, on va le faire. Voilà, mais ça, tu le feras. Oui, mais en fait, du coup, à partir non, ça marche pas. À partir du moment où tu auras défié et vaincu le contrôleur, tu pourras détruire le fez. Donc tout ceci n'aura plus aucun intérêt de contrôler. Ouais, bah ouais. Donc, voilà. C'est quand même vachement chaud, quand même, cette histoire de détruire le fez. Honnêtement, on est bien d'accord qu'on va pas s'en sortir. Mais aucun de nous. Je pense pas que ça va juste être compliqué, oui, en effet. J'ai heureusement une solution. Fuir. Une valise avec moi. Plein de petits bouts de saucisse, ça s'appelle TNT. Vous avez vraiment ça ? Ça marchera pas. Enfin, et parfait le chien. Honnêtement, s'il suffisait d'y aller à la TNT, je pense que ça ferait longtemps que les groupes occultes auraient disparu. Le fez, en fait, votre mission est de détruire le fez. Vous avez déjà noté la première fois que vous aviez essayé de le détruire, qu'il était juste indestructible. Vous avez tiré dessus au flingue, vous avez brûlé, il n'a pas brûlé, vous avez... Ouais, on a essayé de le brûler, ouais. Vous avez tout fait... On aura détruit le porteur, donc il n'aura plus de contrôle sur... Oui, mais le fez sera probablement toujours présent, et vous ne savez pas, peut-être qu'il est immunisé quand il porte le fez, je ne sais pas, enfin vous n'avez aucune... On ira tuer Indiana Jones au cas où il va retrouver le fez. Dans tous les cas, Kassim, est-ce que tu... Là, maintenant... Je ne vous ai plus entendu répéter plus proche de mon oreille.
Ah, est-ce que Kassim, tu peux porter le fez maintenant? Montre-moi tes fez. Mais pourquoi vous voulez qu'il porte maintenant, professeur? Laissez-le tranquille. Quand tu poses cette question, Demir te coupe et te dit « Je ne pense pas que ce soit judicieux. » C'est ce que j'allais dire. Si vous voulez l'effet de surprise, ce sera complètement foiré, puisque au moment même où il portera le fez, et même s'il réussit à ne pas se faire prendre par le contrôler. Pouvoir... Il sera tout de suite localisé par le fez dominant, et du coup, Menka saura exactement où vous êtes. Très bien. Et aussi, il pourra essayer de nous dominer si on a le fez directement sur la tête. Donc, il vous dit il vous conseille de le porter au dernier moment et de le défier dans l'instant pour ne pas perdre l'avantage de la surprise. Quel est le plan? Parce que là, même moi, je doute, mais j'ai le doute sur qui a enlevé le fils du professeur Demir. Pour moi, c'est Selim. Peu importe, c'est... Écoutez cette personne. C'est voilà, c'est je sais pas qui il pointe, mais écoutez-le. C'est Mancaf. En fait, il te le dit que c'est des gens du culte du Fès qui sont venus chez lui, quoi. Sa maison. Donc ça veut dire qu'on va au lieu de rendez-vous. C'est ça. Avec les fez. Soit vous allez demain soir, demain minuit, sur les docks de Kassim Pacha. Soit ce que vous aviez à un moment évoqué, le fait de court-circuiter l'échange et d'aller directement sur l'île de Nistra pour devancer l'échange, les prendre par surprise et avoir l'avantage de... Par surprise. Et là, arriver sur l'île... Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que... Tellement de possibilités de jeu ! De jeu ? Mais de quoi parlez-vous ? C'est à vous de c'est pas un jeu, là, hein ! Demir vous dit... vous dit, c'est à vous de voir... sachez que vous avez les vies de nombreuses personnes, et notamment celle de mon fils. Mais c'est bon, j'ai compris ! Et que, voilà. Donc il vous laisse... c'est à vous de choisir. Me met la pression, putain. Après, il vous dit qu'il peut, si vous décidez d'aller sur l'île de Nistra, vous trouvez quelqu'un qui vous y emmènera. Et il vous honnêtement. Dit que vous pouvez tout à fait trouver des armes. Ouais. Et parce que moi, j'aimerais bien un truc plus aiguisé qu'un simple couteau. Je pense qu'aller sur l'île est notre meilleure des solutions et qu'il n'y a pas à perdre plus de temps que ça, en fait. Je pense qu'il faut y aller, on s'arme, on y va en bateau. Et pan. Oui, moi je suis d'accord. J'aimerais juste honnêtement, moins on prendra de temps, moins il y a des chances que je flippe ma race cette nuit en faisant des cauchemars et que je me casse. Je vous le dis honnêtement. Vous n'êtes pas le seul à pas vouloir le faire. Hein. Je pense pas qu'il faut perdre de temps. Je suis d'avis avec l'autre professeur dont j'ai oublié le nom. Parce que... Demir Owens. Non, Polat. Kassim Polat, professeur Wurst. Voilà, professeur Wurst. Je suis de ton avis, il faut pas perdre de temps, mais de là, lui dire grouille, mais le fait. Non, il faut aller. Non, je pense qu'il faudrait aller. Non, je disais, si ça ratait, on est sûr qu'on n'y allait pas. Si ça ratait, une dose de poison, une balle dans la tête, c'est pareil. Donc, je voulais. On y allez. On va voir qui pour les armes. En fait, il fait venir un gars qui voyait qu'il parle en vite fait en arabe et d'un coup, le mec vous dit suivez-moi et vous emmène du coup dans un souk où il y a une porte dérobée derrière un marchand qui en soi ne vend que de la bouffe. Une porte s'ouvre dans le fond du magasin et vous descendez les marches qui vous emmènent dans une cache où il y a un vendeur d'armes. Professeur Wars, vous pouvez lui demander un couteau papillon ou un gros poignard. Bonjour.
Je lui demande s'il n'aurait pas une grosse épée. Pardon ? Et un poignard, une machette ou un truc du genre. Écoutez, il sort. Un sabre. Il sort différentes armes. Alors, vous voyez des couteaux plus ou moins grands. Thierry, ça. Okay. Lames plus ou moins grandes. Vous voyez des sabres, des poignards, des couteaux de combat, des couteaux anglais de combat. Des armes à feu. Il y a des armes à feu, vous voyez, des armes à feu, des fusils, des armes de poing. voilà, après, il a pas forcément un arsenal de dingue, mais il a quand même des fusils de bonne qualité, standard, avec des armes de poing, standard, plus sabre, couteau, poignard. Standard. Voilà, standard. Il a pas. Par contre, il a pas de Thompson, il a pas de. Il y a pas de sulfateuse, il y a pas de char d'assaut. Voilà. Ça reste quand même quelque chose de. Mais où est mon porte-avions? C'est quelque chose d'assez. Rangé entre la chemise et les serviettes. Très bien. Moi, j'ai des trucs. De quoi? Comment? Oui, j'ai des trucs, des armes, du coup, pour voir à peu près ce qu'on peut prendre. Entre guillemets, moi je suis pour qu'on s'arme. Après, je ne suis pas qualifié pour utiliser par exemple les armes à distance, c'est pas vraiment mon truc. Quoi. Bah, je pense que aucun d'entre nous étant des gens plutôt honnêtes, mis à part des gens plutôt honnêtes, je ne sais pas utiliser armes à feu. Hein. Voilà, après, vous dire que même nous, lui a l'habitude des armes, il est oui, mais c'est le seul. C'est le chef. La chasse aux épaules, moi, quand je. Et en plus, il nous tire dessus. Donc. Excusez-vous. Comme ça, je suis rodé. Voilà. En soi, lui, Barrington, a quand même avec lui toujours son fusil et un pétard. Bref, de toute façon, tout ça ne sert à rien. Tout ce que je veux dire, c'est que quand bien même nous sommes pas forcément prêts à utiliser des armes à feu, dans tous les cas, si on nous tire dessus, il faut savoir se défendre. Et mieux vaut avoir une arme à feu qu'on contrôle pas que rien du tout et mourir juste sous le feu ennemi. Donc. Tous on prend des revolvers. Oui. Oui, voilà. Ça sert à rien de toute façon d'aller taper dans le trop haut de gamme, donc oui. D'accord. Vous allez chercher un revolver Un revolver chacun et un second fusil en plus du mien. Les fusils, on les planque dans le canot, le temps de faire le voyage, et et vu que chacun aura son revolver personnel, au pire du pire, il aura toujours un fusil à portée de main, je pense. Et moi, je voudrais prendre un couteau papy. Un couteau de chasse. Ouais, il vaut mieux un couteau de chasse, perso, parce qu'un couteau papillon, tu vas pas faire grand-chose avec. Hein. C'est un cran d'arrêt, hein. Un cran d'arrêt. Ah, mais cran d'arrêt, c'est parfait. Ouais, mais bon, c'est une lame comme ça, alors qu'un couteau de chasse, tu vas avoir une lame comme ça, tu vois. Donc, oui, t'as une allonge. Oui, bon, allez, un couteau de chasse. Un couteau de chasse, c'est 1d8 dégâts plus pain. Alors, notez tout ça chez vous, hein, dans vos fiches. Comme ça, avec les dégâts qui vont avec. Comme ça, c'est combien, tu m'as dit c'est 2d4 plus 2 le fusil litre Enfield. Le 303 Enfield. Ouais. Alors oui, et c'est en plus, tu mets un petit parenthèse E. C'est-à-dire si tu fais un succès critique, tu fais le match. Bref. Bon, je veux un revolver. Oh, du coup, pour le revolver, ça donne quoi? Alors, il existe dans les objets, du coup. Calibre 41. Ah, mais j'en ai déjà un de revolver. Ah, t'en as déjà un? Ouais. Voilà, on va dire que c'est celui que t'avais. Voilà. Moi, j'ai pas. Moi non plus. Mais je suis une personne tout à fait honnête et. Bien sûr. Mais comme le disait tout à l'heure. On va rêver comme ça, Cassim. C'est combien de dégâts un revolver? Un revolver, c'est combien de dégâts? C'est un D10 et c'est Impale aussi. Et c'est cool, d'accord. Un D10 plus 2 quoi. Ah non, en fait j'en avais pas, il me l'a mis automatiquement, excusez-moi. Un D10 plus 2? Non, c'est un D10 ou quoi? Bah j'ai mon revolver, il fait un D10 plus 2. C'est un 45, hein.
Oui, mais rien, j'en ai une grosse. C'est les dégâts, le 1d10 ? Ouais. Oui. Et pourcentage ? Ah oui, c'est combien de trucs t'as la chance de porter ? Ok. Ah. T'as un pourcent, ensuite c'est un d10 et tu mets entre parenthèses. Et un malus. Là, on s'en va. Le malus, on l'a pas eu. On s'en pense en. C'est 100. Respire, Gaston. Ok, donc en gros, si tu fais 100, l'âme s'enraye. Bah, en fait, sur le livre des règles de Revolver, qui ne sort, qui n'a pas de malus. D'accord. Et je pense que c'est une erreur, donc c'est 100. D'accord. Non, mais soit, ça, on fera en fonction de. Et pour le pourcentage de base, on met quoi ? On met. C'est 20%. 20%. Moi, j'ai 25. Oui, bah, ça veut dire que tu tiens mieux. Eh ouais, je tire mieux. Voilà, donc vous êtes équipé maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut, et le gars du coup de Demir vous emmène sur le port où vous attend une embarcation de fortune avec un gars qui, vous voyez, qui va discuter avec lui et lui donne des informations en arabe. Donc toi Kassim et toi aussi Professeur Wars, vous comprenez tout de suite qu'il donne l'endroit où vous devez vous rendre. Vous voyez quand même que le gars fait une tête un peu bizarre parce que c'est pas trop un endroit où les gens viennent tourner. C'est du tourisme. Voilà, il le reprend une fois en genre t'es sûr ? C'est là qu'ils veulent aller ? Ouais, ça c'est là, tu vas les emmener. Sois discret, essaye de pas te faire remarquer. Du coup, la musique s'en va toute seule. Non, c'est moi. Pourquoi tu l'as enlevé ? Parce que j'ai mis une autre musique d'ambiance. Ah d'accord, c'est les joueurs qui décident des musiques. Voilà. Allez, c'est parti ! Je peux mettre celle de Star Wars ? Mais de toute façon, c'est moi qui vais reprendre la main sur les musiques parce que là, vous allez changer de musique maintenant. Vous commencez donc à reprendre, vous montez dans l'embarcation et vous dirigez vers cette île. Voilà. Et là, c'est moi qui décide ce que vous écoutez. Et c'est moi qui décide, c'est moi qui le chef d'abord. Voilà. Voilà. Vous êtes donc sur l'embarcation qui vous emmène vers l'île de Nisra. Vous voyez que dans les premiers instants de la balade, le bruit des mouettes, l'eau qui vient frapper sur la coque du petit bateau. C'est plutôt dans un premier temps comme ça assez relaxant, ça. Même si George Banks se trouve avoir un petit peu le mal de mer. Mais heureusement pour lui, ah bon la mer n'est pas très agitée aujourd'hui. Voilà. C'est pas écrit sur la fiche, hein. Pas d'accord. Non, mais c'est moi qui décide. vous avancez, on va dire que il vous faudra à peu près une heure de route pour vous rendre sur l'île de Nisra. En ce moment, il doit être à peu près 18h. Vous savez que vous arriverez vers 19h la nuit, enfin vous arriverez en fin d'après-midi, donc le soleil commencera à descendre il n'y aura pas de pénombre, hein, mais voilà, vous savez que le jour sera descendant et que y aura un petit peu de tamisé, quoi. Le voyage se déroule pas trop mal. Vous n'avez quasiment croisé aucune embarcation. Mais au fur et à mesure que vous vous approchez et que l'île commence à être en vue, votre tension, votre stress commence à s'intensifier. Surtout toi, Kassim, tu commences un petit peu à cogiter. Tu es en train de penser à tout ce que tu vas devoir accomplir. Déjà, rien que arriver jusque là-bas, jusqu'en face de Menkaf, ça risque déjà d'être difficile. Hein.
vous savez pas combien d'hommes vont vous attendre sur cette île. Et que même si vous réussissez, après, il va falloir que tu réussisses ce rituel. Et ça, tu n'es pas sûr d'y arriver. Donc, tu es peut-être de tout ce beau monde le plus stressé. Le conducteur de l'embarcation vous prévient que vous allez débarquer dans quelques minutes. Vous voyez cette île qui est maintenant à 200 mètres de vous. Une tour s'élève en plein milieu. Top. Donc vous avez le plan, je crois, de ça. Vous voyez donc au milieu de cette île, du coup, cette tour. Et vient le moment où le bateau vient s'échouer, enfin... débarquer sur... accoster. Ah voilà, accoster. Mais après, il n'y a pas vraiment de port, quoi. C'est vraiment, tu sais, le sable. Ça arrive direct sur le sable. Et c'est pas... C'est une embarcation, c'est pas un bateau pur et dur, quoi. Donc, tu as la coque de l'embarcation qui vient frotter sur le sable. Et il vous dit d'y aller. Donc, vous prenez ce dont... Bah c'est parti hein, let's go. Je prends mon fusil avec moi à bout de bras. Et j'ai passé devant moi par. Ouais. Moi je regarde dans les revolvers. Non, je passe devant. Je pense, comme vous voulez. Bah c'est vrai qu'après tout t'as une formation militaire, ça serait pas mal. Ouais, si ouais c'est histoire après, d'être. Après moi je suis discret. Si je rate un coup quelque part, tu vois la balle perdue, au moins elle ira quelque part. Bah, après, pour l'instant, il n'y a pas de raison, voilà. Les gens commencent à nous tirer dessus. Oui, normalement. On ne sait jamais. C'est vrai qu'on ne sait jamais. Vous voyez que quand on vous ne nous dit pas débarquez, tout. Vous avez une meilleure vue sur la tour. Mm-hmm. Et que cette tour est très vétuste. Il y a même des pierres qui sont proches de tomber, de s'écrouler. Et vous voyez que cette tour était un peu comme une tour de guet dans le passé. C'est une tour avec un seul étage. Un rez-de-chaussée et l'étage supérieur. Vous commencez à avancer discrètement. Et jusqu'à présent, vous ne voyez personne. Et vous voyez qu'il y a une entrée qui, si vous continuez un petit peu plus loin, l'entrée de la tour. Est-ce que quelqu'un aurait une lampe? Ou alors on n'est pas aussi con que ça, on n'a pas oublié les lampes? La lampe, je la frotte et puis... Ouais, voilà, ouais, je crois. Ouais. Après, vous pouvez tout à fait... vous faire des torches de fortune si vous en avez besoin. Oh putain! Je prends un petit briquet! Voilà. Si vous n'avez pas de lampe. Vu que je suis devant, j'avance prudemment à la lueur du briquet de derrière. Mm-hmm. Je vais pas voir grand chose, c'est certain, mais au moins j'ouvre les esgourdes. Fais un jet pour quelque chose. Oh, t'es pas obligé, hein. Si, j'étais obligé de le faire, malheureusement pour vous. Donc vous avancez. Et vous allez me faire un jet de toc. S'il vous plaît. Toc. Oui, toc, monsieur. Toc. Toc, toc. C'est l'échec. C'est bien. Il y a des gens compétents quand même dans le groupe. Hein. Oh. Alors là, vous voyez que... il y a une personne d'entre vous... qui est dans son élément... mais genre dans son élément. L'attaque là, nocturne. Il est totalement... Je suis la tour. Dans son truc.
Déjà, sa posture, la façon dont il s'approche de la tour n'est pas la même que la vôtre. Il a une posture de chasseur, presque, comme s'il allait chercher ses proies. Alors que d'autres... Il a fait des safaris. Alors que une autre personne, qui est donc George Banks, lui, vous voyez qu'il a quand même l'habitude de se planquer, d'avancer en furtif, malgré tout, et... Bien sûr, bah, le professeur Worth, aussi incroyable que cela puisse paraître, se débrouille pas si mal que ça, et peut-être que la pression du moment lui fait pousser des ailes et il arrive à se sublimer, à se surpasser dans le truc. Par contre, toi, Kassib, le stress monte de plus en plus. Tu sais que plus tu te rapproches de cette tour et plus tu as le cœur qui palpite et donc ça cogite dans tous les sens et tu es presque trop concentré sur ça et du coup tu oublies, t'es à deux doigts de tomber par terre en trébuchant sur une pierre, mais bon, tu te rattrapes finalement, mais tu t'es bizarrement mis en dernière position puisque tu dis voilà, je suis la personne entre guillemets la plus importante du groupe pour l'instant et que rien ne me doit m'arriver, du coup tu laisses faire les autres, notamment le chasseur, le capitaine Barrington, qui lui est en première ligne, devant. C'est lui qui vous dirige un petit peu, et qui vous demande d'attendre, de suivre, voilà. Donc, il nous dirige. Voilà, et vous êtes très content de ça, parce que ben, voilà, vous savez que vous avez un soldat d'élite avec vous, et que c'est toujours bon à savoir. Donc, Barrington, tu arrives au niveau du bas de la tour, et... vois trois personnes, trois adorateurs, si on peut les nommer comme ça, qui sont en bas en train de manger. Ils sont assis en train de discuter au coin du feu. Il n'y a pas forcément, tu sais pas trop vraiment de quoi ils parlent, parce que vous êtes quand même à une distance un peu éloignée. Qui fait que voilà, vous êtes peut-être à... Ils sont devant la porte ou ils sont un peu plus éloignés, bah, ils sont à une vingtaine de mètres de la porte de l'entrée, voilà, avec ouais. Une tente, tu vois qu'il y a une tente qui est posée à même le sol, et eux sont devant la tente avec un petit... C'est une tente de fortune ou alors c'est un truc établi et monté depuis des semaines et des mois Oh, tu vois que c'est une tente qui est là, bien établie, quoi. D'accord. Vas-y, je t'en prie, Xen. Et donc, tu vois, ils sont là en train de discuter, ils sont tranquilles. Ils sont vraiment... ils s'imaginent... Personne ne s'imagine que quelqu'un va débarquer maintenant. Donc, ils ont, tu vois, sur le côté, des sabres qui sont posés, enfin on appelle ça, pour eux c'est des yatagan, c'est des espèces de sabres qui sont alors pas courbes, mais à une assez grande longueur, ça doit faire à peu près bien 60. Allez, comment dire, je vais pas faire comme ça, mais allez, un bon 90 cm avec la poignée compris. Donc c'est une lame droite, légèrement courbée, mais vraiment très léger, hein. C'est pas le sabre comme ça, tu vois. Et tu sais que c'est du tranchant. Voilà. Mais ils sont en train de manger orientés face à la mer. Donc le dos à la porte. Tous les trois, où ils sont? Ils sont dos à la porte. Ils voient pas forcément. Tous les trois doigts à la porte. Ils sont... Alors, en fait, si tu veux, pour te donner une idée, ils sont. Ils font face à la tente. D'accord. Et ils font dos à la porte. Et d'accord. Ils sont les trois l'un à côté de l'autre. D'accord. Mais bon, pas en ligne droite, quoi. Ils sont légèrement décalés. Mais c'est vrai que là, tout de suite, ils voient pas forcément la porte. Je fais signe de rester discret à tout le monde avec un chute, avec un doigt sur le dos, avec un doigt sur la bouche et sur les lèvres et dire enfin, je vais faire chute parce que ça va s'entendre. Vous fait comprendre qu'il faut rester discret, donc soyez pas pato.
Je viens prendre par la main monsieur Pollack, et je lui dis d'avancer avec moi direction de la porte d'entrée, tout en discrétion. J'utiliserai pas mon fusil que j'ai à la main. Je tirer, mais s'il y en a un qui dégaine son truc, mon premier réflexe c'est donner un coup de crosse. Comme un bout de bois, comme je m'en sers d'un coup de masque. Voilà. D'accord. Ça sera mon action. Tu vois que au niveau de la porte, sur un, allez, à un mètre à peu près de la porte, est posé, appuyé sur le mur, un Yatagan. Enfin, rengainé, tu sais, parce qu'il y a la, ouais. il y a la, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, il y a l'étui, ouais. L'étui, voilà, le fourreau, et en fait, ouais. Elle est dans un Yatagan dans son fourreau, qui est posé, juste comme ça. On va me débarrasser des trois, il y a un machin truc. La porte, elle est fermée ? La porte est fermée, oui. Oh merde. Je la prends, je la donne à monsieur derrière moi, que je viens de prendre par la main, monsieur Pollack, pardon. Excuse-moi, j'oublie toujours le nom de personne. Pas de soucis. Je te l'attends et bon, voilà. Je sais pas si les deux autres ils nous ont suivis, mais on est prêts pour l'action, nous, en tous les cas. Qu'est-ce que vous comptez faire, en fait ? Qu'est-ce que tu as dans l'idée de faire, du coup ? Là, ils attaquent par surprise, on est 4 contre 3, ils sont de dos, on a... Ouais, d'accord, donc en gros, tu veux arriver par la porte, enfin... Comme si tu arrivais de la porte et les arrivées, l'arrivée dans leur dos. Ouais. Ok, ouais. D'accord. Alors, qui y va ? Bah déjà lui. Moi, bah... Oui, forcément. Moi. Parce que chacun d'entre vous aura à faire un jet de discrétion. Donc, tous ceux qui vont aller à leur rencontre auront à faire un jet de discrétion. C'est tout. Après, étant donné que tu as fait un super jet et que tu es aussi un soldat entraîné et d'expérience, je donnerai à tout le monde un bonus pour l'approche, puisque voilà, tu as bien vu les lieux, tu sais exactement où ils sont placés. Comment aller à leur rencontre et en gros voilà tout le monde bénéficiera d'un bonus de 10 à son jet de discrétion. Bah du coup c'est un échec. Du coup t'as fait quoi? T'avais 20 en discrétion. 31. Ouais. Bonus de 10. Si tu utilises un de chance ça fait tu réussiras. J'ai utilisé évidemment. Un, je pense que. Oui. Donc, oui. Hop, voilà, 60. Oh merde. Bah 20 en discrétion chacun, c'est pas... Enfin bon. Alors, en vrai, vous pouvez relancer les gars. Vous pouvez relancer. C'est vrai chance, que Barrington, c'est quand même surprenant que t'aies que 20 en discrétion. Mais... Bon après, t'es un soldat. Je suis un militaire, moi, je suis pas un espion. C'est pas dans la discrétion là, de base. Mais, Non. Je suis pas ninja. Après, vous pouvez, comme vous a dit... On a le droit de relancer, mais on fait comment déjà ? Surtout toi, George Banks, t'aurais tout intérêt à relancer, puisque tu as quand même 80 en discrétion. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui. Ah oui, c'est bon, pour relancer, j'avais oublié cette... Ouais, mais par contre, si tu rates, tu rates. Hein, oui, donc, mais enfin bon... Oui, voilà, mais là, pour rater quand même, allez. Parce qu'en plus, vu que j'ai le plus 10 de Barrington... Ça va être le moment comique. Je vais tenter de relancer, mais on fait comment ? Hein ? Allez. Je vais tenter de relancer, mais on fait comment ? Bah tu relances, ton jet de discrétion. Voilà. Ah bah non, bah alors. Putain, j'ai cru que c'était un sang, mon gars. Bon bah voilà, j'étais là. Okay. Moi aussi, j'ai vu le sang passer. T'as vu le sang, allez, il a fait qu'un tour. Vas-y, relance. Non, je relance pas. Avec un 20, je tente pas le diable, non. Ce qui se passe... Du coup, est-ce que je coche discrétion ou pas ? Non. Non, t'as relancé. Bah non, t'as relancé. Ouais. Ce qui se passe... C'est que vous voyez donc Barrington qui est donc en première ligne, qui avance devant vous. Et il avait tout noté, tu vois, il avait tout verrouillé, tout ça. Sauf que
avec le soleil descendant, enfin voilà, le soleil couchant, eh bien, il n'a pas remarqué que il y avait une racine d'un arbre qui sortait un tout petit peu du sol. Et au moment où il va s'apprête à passer cette racine et à tomber et s'étaler sur le sol, au moment où il tombe, une main ferme vient agripper son épaule et les hauts de sa veste et le retenant de justesse. Parce que oui, George Banks avait vu cela et il a anticipé, il a réussi à retenir le capitaine Harrington qui ne s'est pas étalé de tout son long. Kassim Pollat, lui, n'a rien vu venir, il a juste vu George Banks agripper le capitaine Harrington. Et vous arrivez discrètement, tous les trois, derrière les trois personnes. Vous allez donc faire, puisque vous arrivez en discrétion, qui fait quoi déjà? Avec quoi et comment? Moi je mets mon couteau de chasse. Donc tu prends ton couteau de combat? Ouais, moi j'ai le couteau de chasse en main. Prêt à lui trancher la gorge au gars. Ok. Tu lui plantes la gorge, c'est plus radical qu'un tranchement de gorge. Je lui donne un coup de crosse. Toi, c'est un coup de crosse. Ouais. Et toi, Cassim? Gros coup de sabre. Bah, je vais suivre du coup la première offensive qui ne tire pas à feu. Donc, moi aussi, je vais aller sur du. Donc avec le Yatagan qui t'a filé, ça marche bien. On va pas se mentir. Donc oui, complètement, ouais. Bah vous allez me faire un petit jet. Attends, c'est quoi là qui... D'attaque. Bah, combat rapproché. Ouais, corps à corps. Et sinon, ouais. Moi j'ai une compétence, ça s'appelle le couteau. Et bah tu vois, bu prends couteau puisque tu l'as. T'as qu'à le faire. Pour les autres, toi Kassim, ça va être. Oh putain. Ok, donc. George Banks, oui. Juste pour dire, quand tu fais un succès extrême, un succès critique avec une arme, le couteau, le sabre, etc. Tu fais les dégâts maximum plus ton impale et en plus tu rajoutes les dégâts. Là, honnêtement, on est dans du furtif avec un couteau. Les mecs vous ont pas vu. Moi c'est 3, moi c'est mort. Enfin, le mec, tu. En fait, bon après, bien sûr que c'est une action en simultané. Moi là, je fais chacun votre tour évidemment. Donc là, en fait, George Banks arrive. Il chope les cheveux. La nuque, parce qu'en fait le gars, j'avais oublié de vous dire, mais il a un fez, mais qui n'est pas rouge sang. Donc il lui chope l'arrière de la tête et lui fait traverser son couteau à travers la gorge directement. Et il tourne, histoire de bien terminer l'histoire. Hop, le mec, cané sur le cou. Comme ça, Barrington. Ouais, pour moi. Ensuite. Qui c'est qui s'y colle? Qui c'est qui fait ça? J'ai pas de truc de batte de baseball, machin. Moi je. J'ai tous les combats rapprochés, les combats à distance presque. Donc. Prends. J'ai combat à distance, arme d'épaule, mais bon, ça compte pour la distance, ça n'a rien à voir. C'est bagarre. Il y a bagarre sinon. Hein. Ouais. Si parce que bagarre, ouais, encore quand tu... Ouais, ok, bagarre. Ou alors arme de poing si tu mets... Sinon tu pouvais prendre arme de poing, genre parce que tu prends ton arme et tu fais ça... Enfin, je sais pas, honnêtement... Je t'aurais bien laissé prendre ta meilleure... Ma meilleure, ouais, c'était mon arme de poing, mais bon, maintenant j'ai fait 76, ça aurait été l'un, ça aurait été l'autre, ça aurait été pareil. Ouais. Du coup... je veux dire dans le sens où tu vas le shooter, il va quand même se le prendre parce que ce serait quand même insensé qu'à 10 cm tu le loupes. Sauf que le gars, en fait, tu vas pas forcément l'assommer.
il va... Il a tourné la tête au moment où tu as commencé à vouloir le shooter, parce que justement il a entendu le de son camarade qui s'est fait planter par George Max. Du coup il a légèrement tourné la tête, du coup il s'est pris la crosse mais dans la mâchoire et ça l'a fait tomber au sol. Il est groggy, il est pas KO limite, mais il est groggy. Tu vois qu'il essaie quand même de se relever. Et toi Kassim? Eh ben alors j'y vais. Après je te donnerai quand même un petit bonus. Ouais, j'ai pas eu besoin de le faire pour George Max et tout, mais un petit bonus de... Oh, t'as non, que non, mec, ça. Le bonus était mort. Oh putain. Je suis pas fait pour ça, moi, là-bas. Disons moi, je suis professeur. Ouais, après, c'est... J'ai décret sur les élèves, moi. Mais oui, Kassim, c'est normal. En fait, tu arrives et tu te rends compte que tu vas tuer un être humain. Enfin, de sang froid, et pour toi c'est voilà, tu n'as jamais fait, parce que dans le train c'est pas toi qui a tué qui que ce soit. Du coup la seule chose que t'avais réussi à blesser c'était toi-même. Du coup tu te retrouves avec cette arme immense dans la main et tu dis que tu dois tuer. Et tu as un grand moment de solitude, si je puis dire. Et au moment où tu vas pour le frapper, ton coup est assez retenu. Et en gros, tu le plantes pas forcément dans la tête, parce que c'était là que tu visais. Et ça lui plante dans l'épaule. Donc ça vient au niveau de la clavicule, ça tu viens le planter là-dedans. Ça rentre bien, ça le blesse, hein. Il commence à crier, à faire un hurlement de douleur. Du coup, vous êtes avec un mort, un gars sonné qui commence à se relever et un autre qui commence à crier, mais pas mort. Et qui se retourne, il commence un peu à se retourner, voir un peu ce qu'il a, il est un petit peu perturbé. Je vais tenter, c'est morbide ce que je vais faire. Je vais tenter de toujours le fusil, vu que je l'avais pas comme ça. Ouais. En joue, je veux dire. Je me plaque contre lui, les jambes, je le paralyse avec mes jambes, et je le plaque contre lui, je l'étrangle avec de toutes mes forces, je l'étrangle. Ok. C'est un être humain. humain. Bah du coup tu vas me faire un jet de bagarre avec plus 20. Parce qu'il est groggy, donc t'as quand même l'avantage sur lui, t'as plus 20. Merci. Bon, et ben du Merci. Coup tu vois, il a même pas réalisé ce qui se passait vraiment, tu as les mains posées sur son cou et... Non, avec la crosse de... Avec machin, bon bah... voilà. Il est une mort étouffée, voilà. Il y a un espèce de râle qui sort de sa bouche, mais pas assez important. Du coup, ce gars-là meurt et l'autre commence à. Celui qui est en face de Kassim Polas commence à se retourner et va pour chercher son Yatagan qui est à peut-être 1 ou 2 mètres de lui. Oui. Moi, quand je vois Serpolat galérer un peu avec. Son gars, j'essaie de venir l'aider en fait et d'asséner un coup encore au niveau de la jugulaire, toujours pour aider qu'elle s'écroule le plus rapidement possible. J'avais même pas fait ça. Vas-y, fais-moi tout ça. Ok, ce que tu fais, ça fonctionne amplement. Professionnel du poignard, quoi. C'est quoi ce fils? Tu vois que t'arrives à son niveau, lui qui cherchait son arme, tu lui sautes dessus, et pointe en avant, et tu vises la gorge, dégâte, hein. Tu lui tranches, c'est terminé. Tellement violent, quoi. Le sang gicle de partout. Ce qu'il y a pour... réaction en fait avec le truc, c'est les artères que tu sectionnes, qui envoie du sang partout et il y en a qui tombent sur Kassim, qui l'asperge, il en a partout sur lui. C'est très très compliqué. Et pour Kassim, du coup, Kassim, tu vas me faire un jet de santé mentale. Oh. Désolé, pas ma faute.
sais, il y en a pas tant besoin que ça. Ça, ah putain, ça passe pas de peu, de 1. On fait chier. Et en plus, tu veux même pas utiliser la chance. Non, mais de 1. Au début, franchement, j'ai vu 70, j'ai fait allez, ça va passer. De 1, je suis dégoûté. C'est horrible. Tu vas perdre 2 points de santé mentale. Ça va. Franchement, ça va. T'es quand même choqué. Tu viens de te dire que voilà, t'as pas. Enfin, en fait, t'as un sentiment partagé parce que tu te dis, voilà, je l'ai pas tué, mais en même temps, j'aurais dû le faire. Si George Banks il avait pas pu le faire, il se serait peut-être mort à l'heure qu'il est. Mais en même temps, cette vision d'horreur d'une voir une gorge tranchée ouverte avec tout ce sang qui. Ça te met mal. T'as presque des relents, t'as presque envie de vomir. Plus tout ce qui se passe dans ta tête, presque des vertiges. Il faut te ressaisir. T'essayes de mettre des petites gifles vite fait pour un peu reprendre tes esprits. Mais ça t'a perturbé quand même. Voilà. Mais voilà, ouais. Les trois gars sont morts. Je cherche à le réconforter un peu en le félicitant de son acte héroïque. C'est que le début. Ouais, comme ça que vous allez le réconforter. Hein. Donc, vous n'avez pas de sang sur les mains. C'est moi. Vous voyez que les trois sont morts. Vous avez réussi à passer ce cap. Moi, j'arrive un peu plus tard. Bon. Voilà. C'est terminé. Maintenant, c'est la porte qui vous attend. Alors, je suppose que c'est peut-être le capitaine Barrington qui va reprendre les rênes. Les hostilités. Qui va se mettre en première ligne. Moi, je suis quelqu'un de très discret après. Vous voyez que en grand professionnel qu'il est, pendant ce temps-là, il vous demande quelques instants pour cacher les corps des gars dans la tente. Il pose des affaires un peu partout pour cacher peut-être le sang qui se serait écoulé d'à droite à gauche. Mais voilà, dissimuler rapidement les corps si jamais des personnes venaient arriver derrière vous pour ne pas être alerté. Voilà. Mais ça y est, vous vous dirigez vers la porte. J'imagine que c'est toi, Barrington. Pique un sabre, au cas où d'ailleurs. C'est Barrington qui prend les devants. Pourquoi moi ? Parce que c'est ton instinct de chasseur qui. Elle est comment la porte ? Je veux dire. Elle est fermée, mais. Dans sa description, je veux dire. C'est une poignée standard ? C'est un truc à gond ou c'est un truc que tu pousses ? Tu vois que c'est une porte en fait avec un espèce de cercle qui fait office de poignée et tu tires dessus, tu tires. En fait un anneau, tu tires sur l'anneau et la porte se tire vers moi. Je leur dis de se mettre de l'autre côté de l'ouverture de la porte histoire qu'ils se dissimulent bien lorsque j'ouvrirai le fusil en avant. Et là, toujours les escourdes ouvertes parce que je vois pas grand chose à part le soleil couchant. D'accord. Alors attends, hop, je fais. D'ailleurs, elle est éclairée ou pas la salle ? En fait, quand il ouvre la pièce, tu vois que c'est éclairé, il y a des torches. D'accord, non, mais je veux dire, même dans la salle où on était nous là ? C'est clair. Ah non, vous étiez à l'extérieur là. On était sur la plage, monsieur. Ah oui. D'accord, je comprends qu'on ouvre une porte. Souviens-toi, l'été dernier. Vous arrivez donc ici. Voilà, je vous donne un petit peu l'état des lieux. Quand tu ouvres du coup cette porte, voici ce que vous voyez. Un escalier descendant ou montant? Montant. C'est un escalier montant. Là, vous êtes arrivé du coup devant cette porte. Vous avez du coup ouvert la porte. Vous avez un escalier. A priori, vous avez eu la chance, à peu près. Vous n'avez pas vu débarquer du monde. Donc, a priori, c'est que malgré les cris du troisième homme, ça n'a pas alerté
qui que ce soit. Qu'est-ce que vous faites? Je grimpe les escaliers en regardant en dessous de la première marche, en dessous. Je veux dire, comment on fait pour pointer les trucs là-dessus, là? Ah si, il y a une flèche en haut à droite. La flèche en haut à droite, ouais. Non, là, ça s'appelle ça la grandie, qu'est-ce que tu me dis? Non, en haut à droite, tout en haut à droite. Comment? Il y a une flèche tout en haut à droite. Oui, dans mais le... ça agrandit la fenêtre. Non. Rouge. Rouge. Tout de tout Fantasy Grand. Ah, d'accord. Ok. Je regarde dans ce... Ah, merde, ça marche pas, ce truc. La première volée de marche, il y a un renfoncement, je pense, et je regarde s'il n'y a pas une porte, une trappe, un truc qui pourrait donner sur en dessous. Ça dans l'idée. Non, tu regardes, effectivement, il n'y a rien de tout ça. Tu vois que le renfoncement, c'est juste... D'accord. C'est juste le dessous de l'escalier. Peut-être, fut un temps, il pouvait y avoir ici entreposé des meubles ou des trucs pour poser différentes choses, mais à l'heure actuelle, c'est juste vide. Et en levant la tête, qu'est-ce que j'aperçois? Il y a au bout de l'escalier, il y a une trappe, ou alors ça donne directement sur. Bah, tu vois en fait que au-dessus, tu as un. En fait, toi, ce que tu vois là, en fait, c'est du mur. Donc, quand tu vas passer dans l'escalier, en fait, en vrai, le long de l'escalier, c'est deux murs côte à côte. Voilà, c'est deux murs. Et au-dessus, t'as un plafond, donc tu vois pas. C'est pas ouvert, en fait, sur le. D'accord. Ok. En soi. Toi, quand tu rentres, il faut que tu te places devant l'escalier pour voir ce qu'il y a dans l'escalier, sinon bah, tu verrais un mur. Bon, bah écoute, je grimpe prudemment. Il y a rien au centre de la tour. Tu vas me faire. Non, en fait, c'est là dans la pièce où tu es, tu vois que c'est assez vide. Alors, il y a des choses qui ont été posées dedans, mais c'est des caisses. Il y a des petits miradors qui donnent dans le sens des escaliers, ou de l'escalier on peut voir vers la rez-de-chaussée. Non, c'est vraiment fermé, quoi. Je m'engage prudemment dans l'escalier. Hein. Ok. Est-ce que tu veux me faire un petit jet d'écouter? Ah ouais. Oui. Je n'ai pas. Ah si, j'ai. J'étais combien là? Attends. C'est bon. 30 sur 35. Ouais, parce que j'ai vu 10 plus 20. C'est quoi, c'est des 10 là? Non. C'est le système qui le calcule comme ça. Effectivement, quand tu écoutes dans l'escalier, t'entends des voix qui viennent d'au-dessus. Mais t'entends pas distinctement ce qu'ils sont en train de dire. Mais t'entends plusieurs personnes. Après, tu entends juste une voix féminine. Une voix de femme qui se démarque des autres. C'est la seule. Je leur fais signe pour leur faire comprendre qu'il y a des gens qui parlent. Voilà. Après, tu sais que tu entends, en plus de cette voix féminine, plusieurs voix masculines. Donc, tu devines qu'ils sont... Ils sont pas tout seuls. Ils sont pas tout seuls. Et tu entends notamment des pas qui, a priori, se rapproche de vous dans l'escalier. Ah, bah là je fais demi-tour, les gars, puis je descends les escaliers, je fais demi-tour, je me mets dans un renforcement discret, du côté de la porte, du rez-de-chaussée. Enfin, pas l'entrée, la porte qui engage les escaliers. Enfin, la porte. Le mur qui est enfin. Je sais pas me placer là, il n'y a pas un token, si? Attends. Non, mais en gros, vous arrivez par... en fait, vous montez par le bas, en fait, de l'image. Et la flèche tout là, en haut qui fait le tour... Face à moi, il y a les escaliers, tu vois. Il y a les murs là, qui engagent les escaliers. Tu vois? C'est qui vient de faire le 2, là? J'arrête, hein, s'il faut pas faire de pointage. Non, t'as raison. En fait, vous, je sais même plus comment ça marche pour faire des trucs, mais... C'est clic gauche et clic droit en même temps. Ah,
vous, en fait, quand vous arrivez comme ça, si je puis dire. Mm-hmm. Voilà. Et là, c'est le début des escaliers. Ouais, c'est le début des escaliers. Et là, pour moi, là, c'est, je sais pas ce que tu vois sur la map. Là, je cherche à me cacher là, dans cette case, aux environs de cette case, là, pour avoir l'angle et matraquer la première personne qui vient, ouais, qui n'est pas féminine. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Voilà. Tu veux te mettre dans l'angle de l'escalier pour que quand le gars, la personne va arriver, elle te fasse de dos. Elle soit de dos et qu'elle se dirige vers la porte. Avec l'as du couteau à côté de moi, parce que moi comme ça je l'étranglerai avec le fusil et si jamais bah, voilà il saucissonne. D'accord. Bah, n'est-ce pas Georges Manx? Vous attendez oui. Là justement. Et au fur et à mesure que vous entendez les marches, enfin les pas sur les marches, vous comprenez que a priori il y aurait deux personnes. Elles discutent. Vous comprenez, d'ailleurs elle part en arabe et ça discute de notamment oh les gars ils sont partis pour l'opération pour les Européens, les Anglais là qui sont venus moi je pense qu'ils ont pris le gamin déjà je pense qu'ils vont les ils font les. Ça va pas être un problème pour s'en débarrasser. L'autre il répond ouais non mais c'est sûr, de toute façon ils sont pas préparés à ce qu'ils vont recevoir, enfin voilà donc bah vous comprenez que bah, le gamin déjà il est pas là. Et que y a des hommes qui sont partis déjà pour les docks. Au moment où les deux gars finissent de descendre les marches, donc ils arrivent vraiment à la première case hein, du rez-de-chaussée. Et est-ce que vous avez refermé la porte? Ben, je sais même pas quelle était. Ah, mais la porte d'entrée. Ah, vous l'avez ouverte cette porte. Est-ce que ah, moi j'étais pas le dernier. J'étais pas le dernier de cordée, moi. Hein. Je suis le dernier et je ferme derrière nous. Ah, je sais pas, tu me l'as pas dit, donc je peux pas le savoir. Bah, je m'excuse. Pour cette fois, ça va. Si la prochaine fois, vous la prochaine pas, fois, je dirais que je ferme des portes. Voilà. Du coup, vous voyez Alors, vous êtes tous mis au même endroit, tous mis à côté de Barrington. À côté ou à proximité. Oui, enfin, dans la même zone, quoi. Vous êtes dans la même zone. Voilà, c'est ça. On n'a pas monté les escaliers. Du coup, vous voyez les deux hommes qui sont en train de passer devant vous, qui vous tournent le dos. Qu'est-ce que vous faites? Georges Manx? Là? Oui. Alors, je m'engage, moi je vais pour étrangler le premier, le maîtriser comme ça, mais je serre très très fort, hein, parce que j'en ai déjà empalé un, enfin, je viens de faire, j'ai déjà test. Et quant à toi, Georges Manx, si tu peux t'en occuper de l'autre, jouer au couteau? Oui, bien sûr. Je dis ça, hein, tu fais ce que tu veux. Oui, non. Oui. Je suis sur les techniques qui marchent bien. Et bah, allez-y, faites-moi vos jets. Hein. Tu veux jet de combat direct? Bah, là, tu sautes dessus avec ton couteau, je sais pas. Donc. Oui. Bah, vas-y, fais-moi ton coup de couteau. D'accord. Et bah, non. Et moi j'utilise le même score que tout à l'heure, le jet de combat rapproché. Bagarre, bagarre. Ouais, de toute façon tu vas faire quoi? Tu veux l'assommer encore avec ton machin, hein, c'est ça? Non, je voulais le prendre, prendre mon... Ah, lui faire comme ça. Yep. Ok, bah oui ça va être ça. Alors après je vous ai pas dit mais parce que j'ai sur le coup. Mais comme vous les prenez par surprise qui vous ont pas vu, voilà vous pouvez avoir un petit plus 10 en plus, mais bon, pour George Mack ça change pas. Et toi, bon, je claque 2 points de chance que je viens de gagner en début de partie. Le point de chance c'est fait pour être dépensé. Exactement. Ok. Donc tu vois Barrington, toi, t'arrives à choper le gars direct et à l'étrangler. Par contre, George Banks, toi qui étais jeté sur le deuxième type,
le manque de peu en fait, parce que au moment où Barrington chope le type, l'autre a un réflexe enfin voilà, de fou, et a juste le temps de d'esquiver ton coup de couteau. Il sort son Yatagan et commence à crier genre ils sont là. Du coup ils ont pas essuyé le pied. Il y a la panique. Ouais. Et je vais essayer d'abattre mon Yatagan. Mon Yatagan personnel sur la personne sans réfléchir à ce que ça va faire après. Je veux juste éviter qu'on se repère. Vas-y. Enfin, là, tu étais un peu repéré. Précise la personne, s'il te plaît. Oui, mais repéré comme on l'entend. Vas-y, de toute façon, ça marche pas. Genre, du coup, Kassim, tu t'essayes quand même de faire quelque chose avec ton Yatagan, mais évidemment, voilà, c'est pas comme couper du poulet, c'est pas pareil. C'est un coup qui fend l'air, mais ne touche pas la victime. Est-ce que je lui ai fait au moins un peu peur en arrivant? Mais non, mais tu vois qu'il fait un léger pas en arrière. Voilà, éviter, voilà, c'est bien, voilà. C'était mon plan depuis le début. Comme ça, il est déboussolé et on peut l'attaquer par derrière. Ouais. Donc c'est bien, je... Ah, attends, parce que du coup, regardez. Attends, je m'en rappelle plus. Oh, c'est quoi, c'est un... On va dire que le Yatagan, c'est l'équivalent d'un cimeter. Ouais. Les équivalences, c'est rigolo. T'aurais que je regarde les dégâts. Non, mais j'ai regardé, je l'ai là. C'est 1d4 plus 1d6. Ça fait mal au cul. Pourtant, j'en ai récupéré un. Ah, coucou, peut-être que c'est propre à. À Kassim. À Captain Barrington. Normalement c'est un D6, un cimeter. Hein. Eh ben, c'est un D6, oui, parce c'est que là, ce que j'ai regardé, c'est il doit y avoir son impact dedans ou un truc avec, enfin tu vois ce que j'ai regardé. Ouais. Moi j'ai pas les dégâts. Un D4 c'est l'impact. C'est un D6 de cimeter. Alors du coup, il va attaquer le plus proche, c'est-à-dire George Banks. Yes. Vous voyez que l'autre est en train de se faire étrangler par votre ami. Alors attends, parce que du coup il me faut un dessin. Attends, il est où mon dessin là-dessus? Non, il est pas là. Il est caché. Dans la trousse. Il est dans la trousse à dés. Alors je vais vous faire le jet visible, comme ça il y aura pas de voilà. Non, il est invisible. Hein. Ah non, si, non. Il est visible. Il est visible, voilà, donc voilà son résultat. Il s'avance. Ah, il est pas doué avec. Et en fait, il est un peu motivé par ce qui vient de se passer, qui vient de passer deux fois. Donc il te touche. Il te touche salement même. Aïe. Bah là, tu peux crever, hein. Bah... Cool. Ah. Et il te transperce au niveau du ventre. Donc tu vois sur un côté. 4 PEV. Si t'as pris plus de la moitié. Je sais pas. J'ai pas entendu. Si j'ai pris plus de la moitié. Ouais, si tu prends plus de la moitié. Ça, c'est fou. Parle devant le micro, sinon. Il est là, tu vois. Non, mais la bouche devant. Si tu prends plus de la moitié de tes points de vie en dégâts, tu as ce qu'on appelle une blessure critique. Pas plus de la moitié des points de vie Toto. Hein. C'est une blessure grave. De tes points de vie Toto. Oui, mais c'est juste la moitié stricte, pas la moitié. Bah alors rien. Enfin rien. Tu as beaucoup mal. Ah non, mais là je. Oh, c'est juste ça. Ça m'ordonne. Alors tu n'es pas touché à l'épaule, tu es touché au oui, ventre. Oui, j'imagine, mais je. Voilà. On voit pas, mais la main est là. Donc voilà, tu. Tu as, tu te plies en deux, il relève son Yatagan d'un coup, tu vois qu'il est
toi tu te mets au sol. Pendant ce temps-là, Barrington vient juste de laisser tomber au sol le gars qui est mort, étranglé par, avec ce... Donc qu'est-ce que vous faites? Moi j'étais prêt à tirer, et bah BAM! Et tire-lui dessus, bordel de merde! Fais-nous ton tir. Mais alors, je sais pas si j'ai un bonus, mais en tout cas, je suis assez proche. Dans un réflexe éclair, je lâche le fusil, je dégaine mon... Oula, je tire comme ça, moi. Allez. Bah, en fait, l'action qui vient de se passer, tu vois George Banks se faire empaler par le sabre du gars. Tu tires, mais dans la confusion la plus totale. Et en fait, ton tir vient juste tirer dans le plafond parce que tu tires un peu bah comme ça. Et donc la balle vient se loger dans le plafond du truc, faisant en sorte de prévenir. S'ils n'avaient pas entendu ça, je pense maintenant tout le monde sait que des gens sont rentrés dans la tour. Dans un réflexe, je laisse tout tomber, le fusil compris, pour dégainer mon revolver et tirer dessus au mec. Vas-y. De préférence, comme on m'a appris à l'école, c'est-à-dire le cœur, la tête en premier. D'accord. Revolver. Succès. Eh bien, tu peux faire tes dégâts pour savoir ce que tu vas lui faire à ce monsieur. Non, ça marche pas. Je fais comment là les dégâts? C'est quoi les dégâts de... 1 des 10 plus 2, voilà, c'est fait. Et 9. Donc il prend non. 9, c'est ça? Je sais pas, plus 2, 9 c'est écrit, je sais pas. Ouais, bah c'est avec le bleu, ça fait 9. Tu vois le ça gars fait qui... mal. Ouais, le gars qui se prend une balle en pleine poitrine, qui tombe au sol, qui crie de douleur. Tu vois qu'il est pas... Enfin, il est pas mort, mais il est salement touché. Du sang gicle de sa bouche. Et que il essaie quand même de crier, mais le sang l'empêche un peu. Parce que tu lui as tiré un peu. Il fait des gargouillis, quoi, à la place. Voilà, mais il est aux portes de la mort, mais il a encore un petit peu de vie. Il essaye de se relever assez rapidement. Les autres, qu'est-ce que vous faites les autres? J'essaye de tout d'abord faire que la blessure ne s'aggrave pas. Non, donc tu vas mourir. Non. C'est seulement notre plan B. Voilà, ouais, c'est ça. Bête, hein. Moi, je suis en panique, hein, je vais retirer. Ok, donc on va dire que Kassim, tu serais justement celui qui doit faire quelque chose en premier. Si quelqu'un voilà. Bah ok, très bien, parce que les autres rentrent pareil, mais du coup je sais ce que je veux faire. Ouais. Je laisse tomber le Yatagan. Vais... Ouais, merci. Parce que... Et du coup je vais plutôt prendre... mon revolver, hein, parce que même si je suis moins spécialisé, je peux toujours essayer. Ok. Et t'as plus 20 de bonus, le gars est à terre, il est quasiment voilà. Mort. Et je voilà. Ok, bah génial. C'est-à-dire que j'ai 45. Allez, une chance sur deux. Bien entendu, ça va pas marcher parce que Fantasy Grand me déteste, mais ça c'est. Voilà. Non. Mais. Eh bien, ça c'est. C'est Fantasy Grand, il n'y a pas de souci. Alors, juste dans les règles, comme là on est à peu près à bout portant, normalement on a droit à des bonus avec les armes de poing. Il y a aussi autre chose que le bout portant, il y a le bout touchant, c'est carrément, t'as le canon dans sur l'ennemi, quoi. Et là, il n'y a pas moyen de louper, hein, peu importe. Oui, là, d'accord, mais c'est l'HP. Ouais, enfin, après, ah oui, après on a affaire à Kassim Polat, c'est pas un tueur chevronné, ah. Déjà s'approcher du gars, même s'il est mourant, c'est déjà compliqué pour lui. Mais en fait, l'effet du bonus, en fait, ça...
plantes, etc. Mais tu en lances deux, tu choisis le meilleur. Bah alors, refais un jet et tu choisiras le meilleur. Bah non, en fait, t'as un petit point, enfin... Bah, oui, bah t'as... Bon, là, il a un jet, donc... En gros, t'as deux jets, t'as deux chances d'y arriver, point bref. C'est bien, voilà. C'est tout rien, en fait. Comment je fais un bonhomme en tout temps? Est-ce que je fais avec honneur en même temps? Bon, lequel tu choisis? Attends, parce que il faut pas que je me trompe. Passe un coup de fil à un ami. Je passe un coup de fil à un ami, attends. À mon frère, voilà, il fait même pas de jeu de rôle, il va tout comprendre. Alors, bon, évidemment le 1. Ok, tu réfléchis pas, tu vois, bon, t'es déjà rassuré du fait que le gars est mourant et que bon, il y a peu de chance qu'il te saute dessus. Tu t'approches de lui et tu tires une pleine tête. Le gars tombe raide, c'en est fini. Par contre, de ce succès, tu ressors beaucoup plus rassuré, bizarrement, ça te met du baume au cœur. Et tout ce stress que tu avais accumulé s'estompe un peu. Et disons que tu retrouves un peu d'énergie, un peu de courage, malgré tout. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est la première fois que tu tues un homme, mais ça t'aide. Voilà, j'adore ça. Je veux dire de plus, t'as pris confiance en toi, tu t'es raffermi là dans l'action, et puis avec un coup d'adrénaline. Voilà, c'est eux ou toi, et tu penses à ta famille aussi à ce moment-là. Et voilà, il faut que tu fasses ça pour ta famille. Du coup, tu auras peut-être un petit peu de bonus sur les autres. Parce qu'il faut que ça te serve. Parce que faire un, ouais, si je te donne rien, ça va aider lors du duel de Fez. Voilà. Donc du coup les gars sont morts, bon vous savez maintenant que ceux qui sont dessus sont au courant que vous êtes là de toute manière. Donc vous ne savez pas comment ça va se passer là-haut. Sûrement très bien. Que faites-vous? Bah du coup pour l'infiltration on n'a pas eu de plan B. Change Banks. Ah, voilà, c'est fait. Là on est parti pour... J'ai mal moi. C'est ce que j'allais dire. Mais je suis pris un coup pour vous, là j'ai mal. J'ai pas un truc de premier soin, moi je crois. Si, mais est-ce qu'on a vraiment le temps si toute la... Ouais, c'est ça le problème. Il faut être en action, je pense. Maintenant. Là, je pense qu'on va bouger et... C'est histoire de couper un bout de tissu qui fasse compresse, hein, c'est simplement. Hein. Ouais, bah ouais. Oui, c'est ça, oui, clairement. Faut... Ouais. Parce qu'il va pas le rester béant comme ça. Oui, tout à fait. Non, mais je porte pas le fez, moi, c'est mort là. J'ai déjà donné assez de ma personne. Oui, alors. J'ai tué une personne, moi, ok. Je peux faire un test. J'ai sauvé la vie tout à l'heure, professeur. MJ. Oui. Je peux faire un test de premier soin pour. Alors, je n'ai pas entendu, mais vas-y, fais un test. Quoi? En fait, mais pourquoi on m'entend pas? Je sais pas, c'est bizarre. Mets la tête en direction du micro ou alors le micro en direction du... Non, c'est ta sensibilité de micro. La sensibilité du micro, peut-être. Sur Discord, qu'il faudrait que tu accentues. Je sais pas. Bah, c'est bizarre, c'est premier, là c'est vraiment tout bas. Un premier soin et après? Ouais, je voulais faire un premier soin pour bah, le soigner, quoi. C'est ça le truc. Fais-le. Bon, bah, bonne chance, hein. Oh, 11. Eh bien, c'est bien, ça. Merci, Adolibran. Ça te fait gagner un PV. Hein. Un PV, voilà. Bon, tu récupères un PV, déjà. T'es pas l'article de la mort. Du coup, bah, vous avancez, j'imagine, prudemment dans l'escalier. Bah, toujours moi en premier. Gaspard Noé, il va rester par terre. Ok. Excuse-moi, je veux dire George Banks. Bah oui, bah moi en premier, hein, j'y vais. Alors à savoir, quand est-ce que... Je vous pose la question maintenant, pour éviter que... Je ferme la porte. Quand est-ce que Kassim va mettre son fez? Hein? Quand on sera face à la bonne situation, c'est-à-dire face au fez et prêt à faire le défi mental. Non? Non. Oui, c'est ça. Contre. Ok. Donc, tant que. C'est contre qui, c'est Mehmet.
Tant que Jean-Michel Fez n'est pas face à nous. Jean-Michel Fez. Enfin, moi je dis ça parce que j'ai peur de le mettre. Après. Pas chouchou. J'ai peur de vous faire mal. Oui. Ça fait bobo la tête. Je sais pas quoi répondre. Je... Donc là on monte les escaliers et go. Dès que tu le vois, Après c'est vrai, est-ce qu'il y a pas une période de convalescence où je suis un peu KO le temps que je m'habitue au fait. On sait pas comment ça marche cette merde. Enfin cette chose que j'aurais. C'est vrai que moi j'aurais proposé de le mettre avant hein, parce que là on sait qu'il est dans la tour donc. Donc je le mettrai maintenant. Est-ce que c'est pas jouer contre le feu? Parce que je peux tomber à tout. En fait, plus je le garde longtemps, plus je peux tomber sous l'influence du Fez. Il peut perdre de sa volonté s'il sent de la pression, le gars de en face. Donc, c'est vraiment. Faites comme vous pensez, mais moi je trace mes escaliers, moi. Je trace. Ah bah merci de participer à la stratégie, monsieur. Ouais, on est en plein milieu d'un escalier, il y a un gars par terre, il y a deux morts dedans, trois morts dehors. Bah écoute, pour l'instant, visiblement, ils nous foncent pas encore dessus. Donc on a le temps d'en discuter et. Mais le Fez. Mais le Fez. Vous avez entendu, ils savent qu'on est là. Je le mets. Génial. Hein. Allez-y. Et surtout, n'oubliez pas, hein, vraiment, si je deviens fou, c'est notre ami qui nous porte. C'est votre fils. J'ai pas de père, il m'a abandonné ce fou. C'est pas le moment de régler les comptes. Ce qui compte, c'est que tu vas porter le Fez si j'échoue. On est d'accord. Okay. Bon, bah du coup, je mets le Fez. Fais-moi un test de volonté. Non, mais après, c'est pas obligé, tu sais. je peux m'engager dans les escaliers rapidement pour chercher à. Comment dire. Perturber. Le contrôle sur la situation, quoi. Je place, vous courant, c'est pas grave. Précédemment, quand il a tué ce premier homme, il a eu une poussée de courage et de force qui s'est emparée. Poussée de poil. Et il est toujours dans cette même force. Vous voyez qu'au moment où il met le Fez, il le pose sur sa tête. Vous êtes tous en stress total de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et vous voyez que il vous regarde. Et il est tout en contrôle. Tout se passe bien. Il a aucun problème. Il est lui-même. À mon tour d'avoir les pouvoirs du Jedi, merde. Et vous voyez que il a réellement aucun problème de contrôle pour contrôler son Fez. Ben, voilà, il subit pas le côté néfaste. Tu vois c'est que pas si horrible, hein, l'occulte. Bizarrement, on va dire qu'en temps normal, quelqu'un même qui aurait eu a réussi le test aurait quand même une charge de. Tiens, un pouvoir puissant d'un coup. Et là, bizarrement, tu es mu par quelque chose d'extraordinaire qui te. Tu ressens pas en fait les effets négatifs du Fez pour l'instant. Ouais, mais ça c'est parce qu'en fait je suis un sociopathe et le meurtre vient de réveiller une partie très dangereuse de mon cerveau, je crois. Mais très bien, allons-y, dépêchons-nous pendant que je suis encore dans cet état de transe post-meurtre. Montons les escaliers. Tu. Ouais, non, attends, juste une chose. Je sais pas si c'est l'heure d'en débattre, mais il y en a un qui prend soin de lui. Comment on fait là, je sais pas, la transmission. Ah oui, je fais un premier soin donc. Oui, puis bon, c'est ton fils quand même. Alors je grimpe. Je vais pas y aller à la ninja. J'y vais, je vois quelque chose de dégaine, je tire. Hein. Couvre nos arrières, je pense. Est-ce que vous avez reçu ce que je vous ai envoyé? Ouais. Alors attends. Tu as envoyé où? Vous arrivez à l'étage suivant. Ah oui. Alors. Vous constatez que il y a une femme qui est habillée en de manière un peu vous savez les filles de harem ah oui avec les pantalons ah, oui.
un petit voile, voilà, très voluptueuse. C'est une très belle femme, hein, une femme, on va dire, de 1m65, 70, des cheveux noirs qui tombent sur les épaules. Elle porte des bijoux qui sont plus ou moins de belle facture. Ainsi qu'un espèce de gros décolleté, une belle poitrine opulente. Et du coup, c'est ces espèces de pantalons voilà, amples qui révèlent parfois des formes plutôt voluptueuses. Vous voyez derrière elle des hommes en cagoulé avec ouais, des espèces de capuches, enfin des trucs qui seraient vraiment en pointe. Et qui tiennent chacun donc un sabre dans la main. L'un d'eux a un pistolet. Et sur le côté, Mein Kampf. Ainsi que son acolyte. Truc, on va l'appeler Truc parce qu'il va mourir. Kapok le Golgoth. Kapok. Oui, c'est son bon. Son Golgoth. Moi, faut que je me mette en place pour le duel. Il faut que j'écris des grilles, des glyphes. Des runes, ouais. Je les écris où? Sur un papier. Heureusement que j'avais un papier sur moi. Et un stylo. Avec du sang par terre. Vous voyez que d'ailleurs dans le fond de la pièce il y a une cage dorée, et que dans cette cage se tient un homme. Et vous pouvez peut-être deviner que c'est le prince. Ouais. Qui va être sacrifié, ouais. Voilà. Bon, on va essayer de te faire gagner du temps. Exactement. Vous allez mourir à l'avant, moi je vais mourir à l'arrière. Moi je pointe du doigt. Star Wars, si je tue. C'est pas Mehmet, c'est merde, ça m'a échappé. Mein Kampf. Si je le tue, vous pensez qu'il aura remporté son duel? Non. Non. Non, mais c'est à lui que je pose la question. Moi, qu'est-ce que j'en sais? J'ai étudié moi aussi les textes, hein, merci de ne pas et vous dire. Et j'entends ça, moi je dis non. Et. Clairement, on est dans l'occulte, en fait, je ne deviendrai pas propriétaire du... Tu vois, je ne deviendrai pas chef des fezes. C'est juste, il va mourir et il pourra être remplacé par n'importe qui ira chercher le fez qui est sur lui. Ça serait plus dangereux, je pense. De toute façon, j'ai déjà porté le fez. Bon, très bien, j'ai ma réponse. Alors, je tire. Alors, vous voyez que au moment où vous arrivez, les hommes... qui avait ces espèces de capuches, enlèvent la capuche et ils ont tous des fesses rouges. Et ils ont zéro expression sur le visage. Ils sont. Voilà. Du coup, avant même que Barrington veuille tirer sur je ne sais pas qui, je dis Mein Kampf, où est l'enfant? Il te toise du regard, te fait un sourire en coin. Il se dirige vers la mort. Et vous aussi. C'est le seul endroit où vous pourrez vous diriger. La mort ! Je ne pense pas, Mein Kampf. C'est libre, c'est ce qui va se passer. Tu n'es rien, tu n'es qu'un risible ici. Tout le monde se moque de toi. Est-ce que Kapok a l'air arrogant? Attends, j'attends peut-être. Les gens me sous-estiment. Les gens pensent que je ne suis qu'un bon à rien, un usurpateur. Mais ils vont très vite comprendre que je serai très bientôt l'élu. Celui qui ramènera le grand sorcier. Le père des sorciers. Azathoth. Yoxotot. Mais quelle langue parlez-vous, mon ami? Oui, Yoxotot.
Je crois qu'il y a eu un tir dans le tas. J'ai eu un tir. De quoi t'as tiré là? Bah, j'ai tiré du fusil pendant qu'il parlait, machin, qu'il bavardait, ouais, ouais. Mais je dépense mes 21 points de chance. Il était en train de faire son monologue de méchant. Et oui, bah, au moment où il finit sa phrase. Mais je tire pas sur Minecraft. Tu tires sur qui? Sur Capoc. Capoc? Ouais. Ça a l'air dangereux même. D'ailleurs, on est d'accord, MJ, que moi je profite de cet instant, bien entendu, pour écrire. Hein. C'est tout le but de le faire parler. Oui, je n'attends pas qu'il termine pour commencer mon. Je dépense 21 points de chance. C'est le moment, dépense tout ce que t'as. Je mets tout ce que j'ai, je te donne tout, ma chérie. Attends, oh oui. C'est sympa, c'est qu'il faut que j'arrive à chaque fois à trouver la fiche des différents bonhommes, tu vois. Dis ça a 12 points de vie, point final. Ouais, voilà, dis qu'il est mort. Capoc, je pense hey, pas. Non, c'est pas un jeu. Excusez-moi. Arrête. Capoc, je pense qu'il est plus costaud que ça. Attends. 14 points de vie. Capoc, c'est fait la balle, le Capoc. C'est l'heure de manger. Viens bouffer de la bastos. Moi, j'étais content que le méchant faisait un monologue. Donc tu m'as dit, tu. Non, mais de toute façon, il tire sur son pote, pas sur. Ouais. Et donc, ouais. Tu sais quoi, tes dégâts là? Ah, j'ai pas fait, pardon. Non, merde, ça c'est bagarre. J'ai pas compté les dégâts, alors je vais te les faire à la main. C'est quoi le. C'est 2d4, 2d4 plus 2. Non, 2d10. Non, tu m'as dit 2d4. Pour le fusil. Ah bah non, le fusil c'est pas 2d4. Hein, tu m'as dit pour le fusil c'est 2d4 entre parenthèses. Ça va se battre. Hein. Moi je sais pas. Dans le moment ultime. Attends, je regarde. Mais tu m'avais dit que c'était 2 à 4! Pardon, je m'embrouille. Alors j'ai commencé avec un 2 sur 4 et un 2 sur 4. Je suis sûr. Ah, Kidamna est en haleine. Il attend. Ça fait 5, ça fait 5 plus 2. Combien il va prendre le Capoc? Ça fait 5 plus 2. Attends, parce que si c'est pas des bondés, tu vas les retirer. C'est 2d6 plus 4. C'est pas bondé, ça c'est pas en grève. 2d6 plus 4. Alors fais-nous 2d6 plus 4. Ah d'accord, 2d6 plus 4. T'en prends 2, tu les jettes. Voilà, et à. Donc déjà ça fait 7, ça fait 11. Ça fait 11. Tu tires sur Capoc qui se prend une balle en plein dans la poitrine. En décidément, tu tires poitrine. J'aime les bustes. Il fait un bond de genre quasiment 2-3 mètres derrière. Il s'étale de tout son long. Il est criblé de sang et du sang sort de sa bouche. Il a clairement douillé grave. Hein. Mais tu vois quand même qu'il commence un petit peu malgré tout à se relever. Il y a les trois qui étaient derrière Nisra, donc une femme qui avait quand même le sourire aux lèvres, qui commence à s'approcher de vous, dont un qui sort son pétard et qui va tirer sur toi, Barrington. J'en suis où au niveau d'écriture de mes glyphes? Hein, on a presque fini le chapitre 2. J'en suis où au niveau d'écriture de mes glyphes, sachant que j'ai commencé quand notre ami. Quand on est rentré dans la pièce. Ouais, là, une fois que lui aura tiré, mon personnage aura tiré, je pense que tu pourras défier Minecraft, y'a pas de soucis. Hop. Alors. Pareil, faut que je chope un dessin. Hop. Enfin, je sais plus. Ils sont disparus, mes dessins. Je sais plus comment on les fait. Ah, mais si, d'accord. Ils sont montés, les dessins. Non, c'est moi qui. Oh. C'est une arme à impale. Ready? Je suis mort. Oh, punaise.
alors ça c'est quoi? C'est full dégâts ça? 3? Ça fait tous les dégâts plus le dé de dégâts. Donc si c'est une arme à feu style revolver, c'est déjà 10 dégâts plus un dé 10. C'est cool. C'est un revolver de son donc. Attends, non. Vas-y, mais vas-y, lance les dégâts, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il peut mourir sur le coup là, si j'ai bien compris. Bah, oui, ouais. Il se prend une bastos quoi. Il se prend 13 points de dégâts. Attends. Je suis dead. Non. Je te promets. Alors, le gars commence à pointer son arme en ta direction, Barrington. Ouais. Il enclenche. Et je vois au ralenti la balle traverser mon crâne. Et là, tu vois un grand sourire s'afficher sur Nistra. Le gars tire. La balle fuse. Traverse la salle tout rapidement, mais ça, pour vous, ça va super doucement. Et vient se loger entre tes deux yeux, Barrington. La balle reste. Vous voyez Barrington qui s'effondre littéralement et vient s'écrouler. Mort sur le coup. Non. Enfoiré. Il est certainement inconscient. Ce n'est pas grave. Et... Est-ce que le colosse aussi a un fez? Non. Il n'y a pas de fez. Non. C'est-à-dire qu'il va pas mourir si je gagne. Oui, c'est pour ça. Ah ouais. Faites ce que vous avez à faire. Il a une arme à feu, lui. Ouais. Mais là, il vient de se manger 11 sur... voilà. Ouais, mais donc, il est à terre. Il est à terre, lui. Oui, lui, il est à terre. Hein. Il se relève doucement, mais il a pris cher, quand même. Voilà, je pense que s'il y en a un qui touche une fois, c'est terminé. Rip moi-même. Voilà, donc vous voyez, le sang s'est allé, s'écouler sous la tête de Barrington. Une flaque qui devient de plus en plus grande. Le sourire toujours figé de Nisra qui est proche presque des... Les salauds, ils l'ont assommé d'une balle dans la tête. Maintenant, c'est le moment que Kassim Polat décide. Parce que vous êtes au bout du bout. Pour je te laisse faire. Ok. Si je me rappelle des effets, je viens de finir d'écrire des glyphes, donc il faut que je me retire 15 de pouvoir. Voilà. Mm-hmm. Tu commences à réciter, tu commences à réciter le rituel. Voilà. Que tu as appris par cœur. Et tu regardes. Mancaf te toise du regard, te dit en même temps que tu récites le rituel, tu es sûr de faire ce que tu penses faire. Tu es sûr de pouvoir me battre dans un duel. Quoi qu'il arrive. Je pense que tu sous-estimes mon pouvoir. Tu es faible, Mancaf. Ça, déconcentre-le, c'est bien. Bah du coup, faut que tu fasses un jet de pouvoir. Hein. Je suis en train de le préparer. Je laissais le MJ terminer sa jolie narration, ok. Bon, comment dire. Attends. Parce que 6, 1 et 2 à la suite. C'est un jet d'opposition. Il faut que je fasse manger d'abord. Un jet parce que je vais être honnête, je vais faire devant vous. Oui, voilà. Il va faire 0-1. Non, j'y crois pas. Pas un seul instant. Y'a que ça pour te battre. Il est faible, hein, je l'avais dit. Écoute, Moyen, c'est toi qui te surestime, je sais pas. Tu me sous-estimes, c'est peut-être moi qui est ouf, hein. Vraiment, le meurtre, c'est la meilleure chose qui arrive, en fait. Ça a déclenché chez Cassim Poulard. Alors, en fait, vous vous rendez compte que... Ce qui s'est passé depuis que Kassim Polat a tué cet homme tout en bas, son premier meurtre, hein, littéralement, a juste éveillé en lui quelque chose qu'il ne pouvait pas soupçonner. Une force cachée qui a juste explosé en lui. Et il ne doute pas. Il est sûr de lui. Il n'a à aucun moment pensé qu'il allait échouer. Force ésotérique de la confiance en soi. Et même la mort
rapide hein, de Barrington n'a pas ébranlé n'a pas ébranlé aucunement ce casting Polat. Parce qu'il sait qu'il est l'unique rempart, le dernier espoir des gens qui sont ici. Et du coup, il ne lâchera rien du tout. En effet, vous voyez une espèce d'aura qui se détache de lui, qui commence à l'envelopper. Il en va de même du côté de Mancaf. Et mais vous voyez très vite que cette aura grandit autour de Kassim Polat. Elle grandit, elle commence à irradier la pièce. Même Nisra, qui avait un sourire malsain, commence à avoir un visage blême, un visage presque de terreur qui s'empare de lui. Vous voyez les trois hommes qui étaient derrière avec les fesses qui commencent à s'écrouler les uns derrière les autres. Mancaf qui commence à plier un genou, qui commence à s'écraser sur lui-même, qui commence à crier. C'est une scène terrible pour vous. Seulement vous voyez que le visage de Kassim est neutre. Sans expression, mais qui dégage une force et un pouvoir qui est démentiel. Au bout de quelques instants, Mancaf s'effondre au sol. Vous voyez les trois hommes qui avaient des fesses sur la tête. Leur tête explose littéralement. Ça, c'est grâce à l'école de Okoto no Ken. Ensuite, Mancaf, lui, en fait, commence à crier, à délirer complètement. Et au bout d'un moment, sa tête explose également. Vous voyez, à ce moment-là, Kassim Polat se retourner vers vous, vous faire face avec un visage neutre, froid, et qui vous terrorise également. On le descend. Et moi j'ai le pistolet pointé sur lui. Et à ce moment-là, le fez qu'il portait sur la tête se délite et vient recouvrir son visage d'une couleur rouge sang. Rouge sang qui ne le quittera plus. Quelques instants plus tard, son regard froid va se réchauffer, si je puis dire, et il va reprendre conscience, c'est que comme s'il avait été plus lui-même pendant un instant, quelqu'un d'autre. Et vous remarquez que tous les fez qui étaient présents dans la pièce ont eux aussi disparu, fondu, tout ce que vous voulez. Et tous les fesses ont été détruits. Kassim Polat a réussi. Masque de sang, je t'appellerai la prochaine fois. Tout. Bravo, toi, t'es l'homme de la soirée. Oh là là, quel homme! Et putain, le clin d'œil entre B1 Kenobi et Jedi. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que Nisra, en fait, est juste. C'est juste mis à. Après cette scène, en fait, a juste pété les plombs. Et dans un excès de folie, pur et simple, s'est dirigé en courant vers la seule ouverture, la fenêtre, la seule ouverture de la tour, et s'est jeté, littéralement. Ah, on a encore des questions. Et vous voyez qu'elle tombe dans un cri, dans des cris de folie, en fait. C'est même pas, un cri de peur, c'est juste de la folie pure, et vous entendez un bruit sourd faire tout en bas. Qu'est-ce que vous faites maintenant?
Je me réveille des morts et je fais bravo, bravo, bravo. Vous voyez effectivement Barrington qui est sur le sol, une mare de sang qui entoure sa tête et bientôt le haut de son corps. Est-ce que ça va, Cassim? Je tremble un peu quand même avec le pistolet. Fini? Attends, moi quand je dis c'est fini, il y a encore le mec à terre là, Golgot. Ah non, en fait, vous voyez que dans toute cette folie, Kapok, lui, a fini par mourir et s'est vidé de son sang. Il a pas réussi en gros à se revenir. La blessure lui a été fatale. Et tout le monde est mort, sauf vous et malheureusement Barrington qui n'a pas eu le temps de souffrir. C'est au moins ça. Par contre, voilà, toi Cassim, tu es à jamais rouge sang sur ton visage. Ah, ça va être très pratique en société, mais j'ai l'air d'aller, en tout cas, au fond de moi, je me sens... Tu te sens, en fait, vivant. vidé de force, enfin, tu tiens encore debout, mais tu te sens épuisé, tu as puisé énormément d'énergie pour faire cet exploit, hein, mine de rien. Maintenant, tu te sens pas forcément bien, parce que là ça fait beaucoup de choses, hein, et puis plein de choses qui te passent par la tête, mais voilà, tu tiens le coup. Voilà. D'ailleurs, tu vas me faire un D10. Oui, monsieur. Je me suis déjà retiré les points de santé mentale, hein. Comme dit, je me souvenais de la consigne. Ouais, vas-y. Attends, je cherche mon D10 là. Je crois que c'est bien, je sais pas. Ok. Tu vas me faire aussi un D10, s'il te plaît. Enfin, vous tous, hein, sauf Barrington évidemment, parce que toi t'es. C'est... tu vas pas. Pourquoi j'ai fait quoi moi? Mais pourquoi? 1. Ok, donc ça c'est ce que vous récupérez en points de santé mentale pour avoir détruit le film. Merde! Fais chier! Ah, je suis content de récupérer des points de cervelle. Histoire que je me reconstitue. Du coup, à savoir que vous savez que des hommes sont quand même partis avec le gamin là-bas en fait. Il doit avoir des fesses, il doit avoir des fesses. Et aussi, que vous avez le prince. Alors, je vous dis, le prince est dans une cage. Vous avez vu le prince, en fait, physiquement, il est juste plein de pustules dégueulasses. Il a des excréments partout sur lui. Et en fait, c'est vrai pour lui. Avec la mort de Nisra, au début, quand vous l'aviez vu, il avait un sourire hébété. Un peu comme s'il était ailleurs, mais il était dans un monde magnifique et enchanté. Et depuis qu'elle est morte, vous voyez un homme qui crie, qui hurle de folie, quoi. Genre, il est terminé, quoi. Sa tête, elle a. On va peut-être y aller. Et le laisser en prison là. On va peut-être y aller. Et prendre Barrington avec nous, mais on va peut-être y aller. Non, mais honnêtement, de toute façon, cet homme-là est déjà condamné par sa maladie, donc. George Banks, je te donne le pistolet. Je récupérais, les armes de notre ami. Ouais. On laisse pas les armes. Est-ce que vous le terminez, le prince, pour lui dire qu'il est mort Oui, je vais le terminer. Je vais le terminer parce que c'est moi qui ai le plus l'habitude de ça, j'imagine. Vous l'achevez, donc tu l'achèves, une balle propre dans la tête. Moi, je vais prendre le corps de Barrington parce que, malgré tout, j'ai apprécié cet homme durant ce trajet. Durant le voyage.
coup, ouais. vous prenez Barryton, il y a toujours le gars qui, quand vous redescendez, le gars est toujours vous a attendu, hein, même s'il il s'était un petit peu éloigné, histoire de pas se faire choper. Mais vous voyez qu'il vous calcule et il vient vous chercher, vous remontez avec lui. Il note malheureusement la mort de l'un d'entre vous. On l'enterre sur l'île, hein, Barrington. Je trouve que c'est pas comme ça. Au moins, il sera. Si vous voulez, vous pouvez l'enterrer sur l'île. En sa mémoire, je mettrai dans le petit carnet que les joueurs retrouveront. Juste, je me permets d'intervenir. Je sais que j'ai pas le droit de parler parce que je suis mort, mais un militaire se fait enterrer au pays natal. Oui, voilà. Il a servi. Pas sur le champ d'honneur. T'es mort en combat. Hein. Je pense à moi et moi. Hein. Les militaires en général ont une cérémonie funéraire, machin, dans leur pays. Sur le sol britannique. Excusez-moi, en l'occurrence, voilà. Ouais, mais c'est peut-être un peu difficile de transporter un corps de Constantinople au sol britannique. Surtout du lit de juste à Constantinople. Après, c'est vous qui voyez, hein. Lui, il a pas son. Non, non. Je pense par respect de son corps et de son être. Il a aucune dernière volonté. S'il aurait dit, je vais t'enterrer dans le pays, bah là, on peut pas vraiment savoir. Mais moi, franchement, je pense que on l'aurait enterré sur cette île. Ouais, c'est vrai que le nom de l'île. Je suis d'accord pour l'enterrer sur cette île. De toute façon, on est des civils qui ne sommes pas en situation officielle. Ramener un corps en ville. D'un militaire. Bon, c'est ce que vous faites, ça va vous prendre une petite vingtaine de minutes. Parce que bon, il faut croiser. Je prends le temps de faire une croix et tout ça. Vous faites tout ce qu'il faut. Et donc, du coup, vous rembarquez sur la ouais. Truc. Je le point le plus haut de l'île pour que ça surplombe la mer et que ça lui rende hommage. Oh, bah, magnifique, voilà. Enfin, vous faites quelque chose de très sympathique. De très émouvant, voilà, une petite cérémonie, chacun aura fait son petit discours. On fait le deuil. Voilà, et finalement, vous finissez donc par rentrer sur l'embarcation qui vous ramène à Constantinople. Quand vous arrivez à Constantinople, vous êtes surpris d'être accueilli par d'émir et des hommes à lui. Et... quand vous commencez à discuter légèrement avec lui, vous voyez qu'il a un grand sourire et que quelques secondes après avoir commencé à le saluer, vous voyez une petite tête dépasser de derrière lui. Et a priori, c'est son fils, Barlas. Yes. Il vous explique que effectivement, des hommes étaient venus avec son fils et que ils étaient 5 ou 6. Parmi eux, 4 avaient des fez rouge sang. Seulement, son fils lui a expliqué qu'il n'a pas trop compris, mais pendant qu'il était tenu en otage, 4 de ces hommes ont eu la tête explosée. Les deux autres ont paniqué et sont partis en courant, le laissant seul dans cette planque. Il a réussi à s'échapper quand même et à retrouver son père. Du coup, vous allez tous me faire un D4, s'il vous plaît. Un D4 ? Un D4. Un D4. Et celui-là, je crois. On va encore récupérer la santé mentale, c'est incroyable. Voilà. Et vous finirez donc avec un D6. Un D6 ? Chacun, ouais. Et tout ça fera votre santé mentale que vous aurez récupéré. Bah, tu sais que j'ai quasiment récupéré tout ce que j'ai perdu. Moi, j'ai plus que ce que j'ai au départ, donc ce n'est pas possible. J'ai 124% de plus, tu vois. Enfin, 124% de ma santé mentale. Ouais, mais en même temps, comme tu peux pas aller au-delà de ce que tu avais déjà... Bah, j'ai remis. Honnêtement, alors... je suis à 2 points de retrouver ma santé mentale du départ. Finalement, c'est pas si grave. J'ai perdu au départ, parce que j'ai eu un bug. Je sais même plus combien j'avais perdu au départ. Oh, honnêtement, on s'en fout, c'est la fin. Voilà, voilà. Vous expliquerez donc
puisque Demir ne vous demande mais où est passé Barrington, vous lui expliquerez donc qu'il est malheureusement mort pendant les... Il n'a pas quitté l'île. Il décide, donc Demir décide de lui faire un mausolée dans sa résidence, où il mettra justement, qui viendra saluer son courage et qu'il a sacrifié sa vie pour sauver de nombreuses personnes et celle de son fils par la même occasion. Du coup, de nombreuses personnes viendront remercier chaque jour que Dieu fait le capitaine Barrington qui a donné sa vie. Donc, tu auras, capitaine Barrington, ton mausolée dans la demeure du professeur Demir. Vous rentrerez donc à Londres par l'Orient Express. Cette fois-ci, le voyage se passera beaucoup plus tranquillement, même si toute cette énergie, cette tension, ce combat que vous avez va vous retomber dessus. Vous ne profiterez quasiment pas du voyage vous allez beaucoup dormir. Certains vont avoir un sommeil agité, mais vous arriverez quand même à Londres. Et vous serez accueilli par le professeur Smith, qui vous remerciera chaleureusement, ayant reçu vos télégrammes comme quoi vous aviez réussi à détruire le Fez. Malgré tout, la mort du capitaine Barrington sera quand même difficile pour le professeur Smith, mais voilà, il tiendra lui aussi à faire un petit quelque chose pour lui. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as de la famille qui puisse peut-être rendre compte. Je ne sais pas, capitaine Barrington, tu attends de me le dire. Si j'ai de la c'est comme tu veux, hein, c'est toi qui décides. Une femme qui m'a quitté avec les enfants, voilà, simplement. Les envoyer une pensée pour les enfants. Bah du coup, en sachant cela, le professeur Smith enverra une dot mensuelle à cette famille. Ah, c'est bon, il est revenu. Une dot. Pas mal de bugs. Non, mais c'est bon. Une dot mensuelle à ta famille, Barrington. Et ça. Jusqu'à sa mort, on va dire. Jusqu'à ce que la mort se relève. Voilà. Du coup, c'est le moment où... Qui tenait le livre, d'ailleurs, quand vous avez commencé à lire ? Peter T. Franklin. Où Peter T. Franklin ferme ce livre. Vous revoilà dans... D'ailleurs, je sais plus si c'était dans le ferry ou dans le train... C'était le ferry. Dans le ferry, voilà. C'est d'ailleurs le moment où le ferry va arriver à Calais. Au port du Havre. Et on va s'arrêter là, du coup. Bravo. Je ferme quand même le truc. Attends, voilà. Ferme-le. Ben je coupe le... Je coupe... L'enregistrement. Non, pas l'enregistrement. Je clôture la session par l'outro. À tout de suite.